aussi en live. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Ah, ben j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Nous, on va être francs, on est tous KO. Un peu. Ouais, voilà, on est tous crevés, fatigués. Voilà, des semaines un peu difficiles. Demain, il y a des gens qui doivent se lever très tôt aussi pour le taf. On a quelqu'un qui est malade, donc voilà. On espère que vous allez nous donner de l'énergie, parce que nous, on n'en a pas de ouf. Voilà, moi non plus d'ailleurs. Moi non plus, j'en ai pas de ouf. Je suis extrêmement fatiguée, mais je pense que le suspense de la partie va quand même me tenir éveillée. Et puis surtout, on arrive à quand même un moment décisif. Donc pour info, on devrait jouer avec vous ce soir jusqu'à environ, je pense, 23h, 23h15. On va essayer de s'arrêter un peu plus tôt que d'habitude, histoire de tous pouvoir se coucher tôt et se reposer. Hey, salut, Cryo Magnus! Bah bonsoir à toi, merci, merci. C'est cool que tu sois revenu nous voir. Il y a Psycho Sachin qui est avec nous, donc qui joue Macad, hein, si vous voulez savoir. Discuter aussi avec. Coucou. Le Corbeau Blanc, le vrai, le seul et l'unique. Alors j'en profite pour faire des annonces. Donc le Corbeau Blanc, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je vous le redis, écrit des nouvelles très stylées. Vous pouvez avoir plus d'infos à son sujet, je vais vous donner ça tout de suite sur Twitter. Donc, il est très intéressant à suivre. Il a beaucoup fait de collabs pour les petits concours sur la chaîne de Globtopus, du coup. Et donc, ils ont avec des amis à lui, fait par exemple des collabs entre illustrateurs et ses nouvelles. Et donc, ils ont carrément fait des podcasts narratifs illustrés et tout. Donc, c'est assez foufou. Attendez, je vais essayer de vous donner ça. Alors, ça s'écrit... Ah oui, il y a un U sur Twitter. Je ne trouvais pas. Oui. Je ne trouvais pas à cause du U. Donc, voilà, je vous mets l'info tant que j'y suis. On se pose, ça peut servir à qui veut. Et dans pas très longtemps, on fera certainement une collab d'écriture à quatre mains également. C'est dans les tuyaux. Voilà, il y a plein de trucs dans les tuyaux. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on va jouer, mais sachez qu'il y a plein de trucs dans les tuyaux. Il y a le podcast narratif que moi je fais, que j'ai écrit, que j'ai scénarisé, dont j'ai eu l'idée. Et donc j'ai fait tous les textes et je suis aidée par mon chéri, l'âme de l'ombre, qui est actuellement allongé sur un tapis car il a une migraine. Pour faire le montage sonore, et c'est en cours, on a bien commencé, et j'en dis trop rien, mais c'est assez ouf, je pense que ça va vous plaire. On a donc l'écriture à quatre mains avec le vrai corbeau qui est dans les tuyaux, et je pense qu'on va faire un scénario basé sur un de ses univers. En fait, il a écrit un univers, mais qui n'est pas adaptable pour l'instant, qui n'est pas un jeu, et l'idée c'est que j'aide à faire le côté de l'agentivité et du jeu à l'intérieur de cet univers, donc on en reparlera. Et il y a également un autre truc super cool, on va vous faire aussi je suis très hypée de ça, un scénario à quatre mains encore avec un autre collaborateur qui est Henri, du coup, qui est illustrateur. Et ce qui est fou, c'est que du coup, je vais pouvoir faire mon premier scénar entièrement illustré par un illustrateur, donc c'est trop génial. Donc ça aussi, ça va arriver, évidemment, c'est des projets à long terme. Vous vous doutez que c'est très long, donc je peux pas vous dire quand. Voilà, et sinon dans les trucs qui arrivent dans pas très longtemps, on va enregistrer cette semaine, jeudi soir, le 25, en off-stream. Je ne streamerai pas, mais on va enregistrer un scénario de mon cru, donc sur Cult Divinity Lost. Il s'appelle Deepwater Horizon. Et il sera avec l'ami Linkus, qui donc, il fait pas énormément de jeux d'horreur, donc voilà, il avait envie de tester, et donc il me fait le plaisir de venir tester du jeu d'horreur avec moi. Il y aura l'ami Elethorn, et oui, trop bien, sur Cult, et avec Linkus, du coup, qui sera là, et Elethorn, qui sera là aussi, et mon ami Ludo, et Tourte Spirituelle, que je vous invite aussi également énormément à découvrir. Alors, c'est un peu le moment pub, hein, mais désolé, il y a tellement de gens talentueux... en fait, qui gravitent autour de tout ça, que c'est difficile de résister à la tentation de vous en parler. Si vous passez ici, ou même si vous voyez plus tard la rediff, comme ça, voilà. Et donc, Tourte Spirituelle est un créateur qui est très multitalentueux, c'est-à-dire qu'il fait des jeux, il crée des jeux.
Pour en avoir testé, je peux vous dire qu'en plus, ils sont hyper stylés. Il adore aussi l'horrifique. Il adore aussi les jeux solo. Il a d'ailleurs créé des jeux solo, dont un qui était très très cool, que moi j'ai beaucoup apprécié. Et il est illustrateur également, donc du coup, il illustre lui-même ses jeux. Et c'est un peu le rêve de tous les gens qui écrivent des jeux, de pouvoir les illustrer eux-mêmes. Et bah lui, il le fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, tous ces gens seront avec nous et on va jouer jeudi. Et puis voilà. Et donc, je vois que les blagues ont commencé sur le chat. Alors, Cult, donc pour répondre, ce n'est pas du tout un jeu avec des armes de dieu. Ça, c'est. Je vais pas y arriver, mais c'est pas ça. Je vois de quoi tu parles, mais c'est Bloodlust dont tu parles, et donc ça n'est pas ça. Donc, Cult, c'est plutôt un jeu d'horreur, de body horror, même j'allais dire contemporain, qui date des années 90, qui a été réédité. Là, on est sur la seconde édition qui est très très belle, qui sort en PBTA, elle vient de sortir. Et c'est un jeu d'horreur, body horror occulte contemporain, dans lequel eh bien, il y a un grand secret que les joueurs et joueuses doivent découvrir. Et ce jeu s'appelle Cult, car à l'œuvre, dans le background de tout cela, eh bien, il y a des tas de cultes, tous aussi horribles les uns les autres, pour des divinités tout aussi horribles les unes que les autres, à découvrir. Ça fait partie du grand secret et du grand mystère. Et ces cultes sont assez très intéressants. La proposition du jeu est d'explorer les côtés sombres de l'humanité, un peu sans retenue. Voilà. Donc on ne peut pas jouer à ce jeu avec tout le monde et il demande une sécurité émotionnelle renforcée et de mettre voilà, des limites avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est un très beau jeu. Il est très bien illustré et justement, découvrir le grand secret, c'est très intéressant. Découvrir toutes ces divinités, c'est très intéressant. Alors, il est un petit peu touffu, ben pas tant. Hey, coucou Mordred! Non, le corbeau blanc, il n'est pas spécialement touffu. Il est un petit peu à l'image d'une cosmo. Alors, je sais jamais si on dit cosmologie ou cosmogonie dans ce cas. Enfin bref, si on aime Bonnie. Goni, ouais, donc bah, merci. Donc la cosmogonie, elle est un peu aussi touffue que celle d'un mythe de Cthulhu. Mais l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir à la chercher dans des tas et des tas d'ouvrages et d'en lire 80 pour avoir une idée globale, bah là vous avez tout dans un livre, donc finalement c'est quand même relativement accessible. Moi j'ai pas trouvé que c'était très touffu. Après, je pense que c'est pas un jeu pour les MJ, les meneuses et les meneurs qui soient particulièrement débutants, ou les joueurs qui n'aient pas beaucoup d'expérience, parce que ça traite de sujets assez sévères. Et moi c'est surtout là-dessus que je pense qu'il faut un peu avoir des gens très capable de détachement entre eux-mêmes et les personnages qu'ils vont incarner, puisque bah, c'est assez dur, mais en dehors de ça, ça va, ça reste faisable. On va pas tarder à s'y mettre. Mordred, bonsoir. Donc Mordred, notre modérateur. Donc coucou Mordred, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà, je vais arrêter de parler. Je vais laisser chacun des joueurs eh ben, présenter rapidement son personnage, nous dire un petit mot. Si ça va, si ça va pas ce soir. Si ça va pas et que vous êtes fatigué, bah, dites-le aussi, hein. Vous avez le droit. Et ensuite, bah, comme d'habitude, on fera un résumé et on se lancera dans l'aventure. On va commencer à l'envers, tiens, cette semaine, pour pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent en premier. Donc, eh ben, Pilipin, notre barde, va vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, dans l'histoire, chaque semaine, c'est un éternel recommencement. Je suis un barde. Anciennement, j'ai travaillé pour des familles de nobles du Brévois, famille Garès. Suite à plusieurs embrouilles au sein de la famille, j'ai été destitué de mes fonctions de barde et me voilà sur les routes. Je recherche activement une baronnie ou une autre famille de nobles, ou peut-être encore créer ma baronnie à moi. Et sinon, dans la vie, je vais pas trop mal. Voilà. Moment. Ok. Bah, écoute, tant mieux. Je préfère que t'ailles pas trop mal. Même si c'est mieux quand on va tous très bien. Mais déjà, c'est cool. Il y en a qui vont pas bien ce soir et qui sont juste malades. Donc voilà. Et Trig, notre petite druide, comment ça va?
Ça va. Moi, c'est Trig, la gnome druide. Et je veux pas dire petit gnome parce que sinon c'est redondant. Moi, qu'est-ce que je fais là? Je cherchais un groupe pour m'accompagner sur les terres volées. J'ai trouvé des grands gaillards forts et un peu farfelus pour aller avec moi parce que j'ai entendu de l'appel de la nature et que j'étais persuadée qu'il y avait des forces néfastes. Qui grandissait sur les terres volées. Et donc, moi, la baronnie, c'est pas trop mon truc, mais par contre, je veux sauver la nature. Et en effet, on en reparlera dans le résumé, mais tu as bien fait de venir. Et il y a en effet des forces très néfastes qui sont à l'œuvre. Et vous venez d'en apprendre un petit peu plus à ce sujet, hein, sur la dernière partie qu'on a fait. Donc, on pourra se plonger un peu plus ce soir dans le résumé là-dessus. Ensuite, on a, eh bien, Carl Gustaf, notre guerrier et le joueur, est malade. Donc, j'espère que tout ira bien. Peut-être qu'on s'arrêtera un petit peu avant la fin, hein, aujourd'hui. On verra. Carl Gustaf, est-ce que tu veux dire Oui. un mot, même si tu es malade? Oui. Je suis un guerrier et mon personnage est à la solde de Abraham, dont il est le garde du corps. Je l'accompagne dans ses aventures pour libérer les terres volées et les pacifier. Très bien. Et donc, tu es HS et tu as une migraine de l'enfer. Ça. Bon, bah écoute, tu nous diras si tu as besoin de t'arrêter, il n'y a pas de souci. Et puis, eh bien, notre force de la nature, Makad, notre moine. Bonsoir. Donc oui, Macam, en effet, le moine fervent défenseur de la foi de Kourgues, le dieu de la saine compétition et du sport, qui ne cherche pas forcément le pouvoir dans les terres volées, mais de répandre un peu la parole de son dieu, défendre le faible, l'innocent, être le bouclier de chair, mais le bouclier quand même qui protège le reste du groupe. Ouais, sacré bouclier. Hein. Jusqu'ici, on a eu une bonne vision de tout ce que tu faisais. Et jusqu'à présent, c'était très costaud. Donc, entre guillemets, vos ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Et de toute façon, quand ils sont très forts, jusqu'à présent, ils s'auto-mettent des claques. Donc, vous n'avez pas eu trop de problèmes. C'est plus un bouclier d'attaque que de défense. C'est un bouclier d'attaque. On a toujours dit que la meilleure défense c'était l'attaque. Exactement. Défense préventive. Eh bien, écoutez, on va se mettre en route pour la suite de nos aventures. Les amis du chat, n'hésitez pas. On a oublié Abraham. Ah, ça ne On va a pas le oublié faire. notre Oh, chef de brûler groupe. deux trois trucs ce soir, gérer ça, moi. Oh, ils vont brûler le MJ. Pardon, pardon. J'ai oublié Abraham. J'ai sauté ton portrait. Bah, Qu'est-ce en plus, je Sédition fais comment? partie de la sédition, hein, donc on va faire tomber le On MJ va ce faire soir, je tomber le le sens. MJ, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ça commence les erreurs de la fatigue. Bon, désolé. Donc j'ai oublié Abraham, notre inquisiteur, car il est habillé en noir et il est trop discret. Je l'ai pas vu. Pourtant, je fais tout pour être de l'avant. Excuse-moi. Bah vas-y du coup, Non. Abraham. N'hésite pas à prendre la parole. Ah bah je fais partie de l'Inquisition de la Sédition, donc je suis surtout là pour faire descendre les gens de leur trône, parce qu'ils pensent qu'ils sont là bien au chaud, mais ce n'est pas le cas. Et qu'il faut bien remettre deux, trois fois, deux, trois baffes à des gens pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. Et je suis accompagné du coup de toute cette bande hétéroclite, on dira, et surtout par Karl qui à la base était mon garde du corps, comme il l'a si bienement amené. Et est-ce que jusqu'à présent, ton équipe te convient, Abraham? Ah, complètement, y'a. Bon. Donc pour l'instant, t'as pas eu envie de brûler les membres de ton équipe. Aïe, ça dépendait deux, trois fois quand même. Ça dépend de ce qu'ils disent. Ça dépend de comment ils l'amènent, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais j'aime pas mensonge. Ah oui, alors vous allez voir qu'il a une très légère mais présente intolérance au mensonge, Abraham, et Me donne de que l'urticaire. ça, oui, exactement, Créo Magnus, ils sont unis dans la recherche de la vérité. Ils ont simplement pas tous les mêmes méthodes pour la trouver.
Bon, excusez-moi, j'avais oublié notre inquisiteur. Honte sur moi. Écoutez, donc cette fois, on va vraiment s'y mettre. Je vais vous faire le résumé. Et puis, comme d'habitude, mettre l'ambiance en route pour les joueurs. Et ensuite, eh bien, nous verrons. Je pense que cette session ce soir sera assez courte, histoire que tout le monde se repose. Mais en tout cas, on va y aller. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à interagir entre vous. Si vous avez envie, vous pouvez toujours m'écrire et je peux vous répondre à l'écrit, même si je ne vous réponds pas à l'oral, pour respecter, comme vous le savez, le roleplay et ne pas trop couper ce qui se passe pour les joueurs. Alors, nous allons reprendre. On va se mettre un petit peu de musique, comme j'aime bien faire, et on va faire un résumé. Un résumé un peu plus court que d'habitude, hein, puisque... j'essaye de... C'est le neuvième, exactement. C'est la neuvième session, donc on commence à bien savoir dans quelle direction on va. Et vous allez voir, on arrive à un moment assez charnière de l'aventure. Je me suis laissé dire que certains joueurs étaient morts à ce niveau-là du jeu, dans cette campagne. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais... Bref. Non. Pression. Donc nos aventuriers... qui compose la compagnie de la recherche de vérité, comme vous l'avez compris, menée par Abraham, notre inquisiteur, que j'ai failli honteusement oublier, composée de Makad, notre moine, de Trig, de Pilipin, de Carl Gustave, eh bien, ils sont en train d'arriver à un moment charnière de leur aventure. Ils sont à la recherche de leur ennemi juré, celui qu'ils doivent destituer, et qui s'appelle le Seigneur Serre. Le Seigneur Serre ayant la main mise sur les terres qu'ils sont en train d'arpenter en ce moment. Le deal, c'est que s'ils arrivent à destituer le Seigneur Serre et à ramener sa tête à la ville de Restov et à ses dirigeants, eh bien ils se verront offrir une baronnie sur ces terres, un territoire, rien qu'à eux, pour la réalisation de leurs grands projets respectifs. Et il se trouve que ce moment est décisif, car ils viennent d'apprendre la position théorique de l'endroit où se trouverait le fort de ce Seigneur Serre. Et pas seulement, ils savent également qu'il a parfois rendez-vous afin de récupérer son butin avec certains de ses complices. Nos camarades ont donc choisi d'utiliser un de leurs espions, qui travaille maintenant à leur solde, de l'envoyer donner un butin lors d'une de ces fameuses récupérations et d'engager une filature pour avoir la vraie localisation du fort et pas sa simple localisation théorique. Maintenant, nos personnages ont un très bon réseau d'alliés. Avec eux, ils ont une petite troupe de mythes, des petites créatures bleues qui vivent dans des souterrains. Ils ont également réussi à faire ami-ami avec les kobolds de la région. Ce n'était pas gagné, mais ils ont réussi à être très diplomates. Quelques voyageurs à la halte d'Oleg sont leurs camarades d'infortune, quelques gardes, quelques personnes s'y étant arrêtées qu'ils auraient pu rencontrer, dont un prêtre qu'il y est régulièrement. Le peuple des grenouilles a fait ami-ami avec eux, et leur dernière rencontre, au camp de l'épine, sans aller jusqu'à dire qu'ils sont amis, en tout cas, ils sont d'accord pour faire une partie de voyage avec eux. Les trois dernières personnes qu'ils ont rencontrées étant donc Sheyin, Drisda, que voici, et Yuva, que voici. Trois sœurs et frères ayant des liens pas toujours de sang, à ce que vous en avez compris. Évidemment, leurs ennemis et les questions sans réponse autour d'eux sont toujours nombreux. La menace surnaturelle qui pèse sur ces terres n'a toujours pas été élucidée. Il y a visiblement un vieillard dangereux aux commandes de tout cela, et des espions du Pitax ont l'air de parcourir ces terres à la recherche d'un artefact magique qu'ils ont à présent en leur possession, mais ils ne savent pas exactement pourquoi et à quoi sert cet artefact. La dernière aventure de nos protagonistes les a plongés dans le tourment et l'interrogation, car ils ont trouvé
le cadavre d'une licorne. Une belle licorne blanche. Et l'horreur entourait sa disparition car une magie nécromantique était ressentie sur toute la zone autour de son cadavre. Il y a comme une sorte de portail, de limite entre le monde physique où se trouvent nos protagonistes et celui qui est de l'autre côté, comme une forme d'un autre plan. C'est dans cette urgence qu'ils ont décidé d'arrêter tout ce qu'ils étaient en train de faire pour se concentrer uniquement et exclusivement sur la chasse du Seigneur Serre, car ils se disent que tout ça doit être lié et qu'il est peut-être temps de s'attaquer réellement à leur ennemi. Pour le résumé, nous en avons terminé. Pour la suite, la voici. Vous êtes tous, chers camarades, réunis au camp de l'Épine. Un camp dans lequel vous campez maintenant depuis 4 jours. Depuis votre terrible découverte. Depuis que vous êtes tombés sur le corps de cette licorne. Autour de vous, les bruits matinaux vous réveillent. Vous entendez des travailleurs qui se lèvent. On part à la pêche. On fait du feu pour lutter contre le frima de Mars. On relève la garde dans les guets qui se trouvent au faîte des arbres. Et on prépare le déjeuner. Ici et là, autour de vous, vous voyez que des gens vont à la rivière pour faire une petite toilette. Préparer une boisson chaude avec de l'eau. On s'habille, on plie les tentes. Le soleil ne s'est plus vraiment levé depuis que vous avez trouvé la licorne. Comme si la nature elle-même était en deuil depuis la disparition de cet être féerique. Il n'est pas impossible que Trigg elle-même ait été quelque peu touchée ces derniers jours. Après la découverte de ce corps inerte dans la clairière. Aujourd'hui, pour vous, est un jour bien spécial. Il vous reste un peu de temps pour vous préparer, mais demain, à midi, vous savez de source sûre que le Seigneur Serre, ou au moins sa garde très rapprochée, va récupérer le butin de Sigild, l'un de vos camarades, au sud de la Pie, à la rencontre d'une autre rivière. Vous vous préparez, vous discutez et vous mettez votre plan à exécution. L'odeur du feu arrive à vos narines. Vous savez que vous arrivez à un moment très important et que tout peut basculer. Et c'est à vous, c'est le matin et vous êtes au camp de l'Épine. Commencer par un petit déj. Ouais. Réveillez-vous. Oh. Un petit déj. Ok. Vous faites griller des choses sur le feu. Vous vous couvrez en dessous d'un arbre pour ne pas être trop mouillé alors que la pluie est toujours assez forte depuis ces derniers jours. Sale temps. Et toujours cette brume. J'ai encore les godasses trempées. Et c'est que le début. Rig, avec ce qui s'était passé hier, t'as pas eu de vision? Non, j'ai pas eu de vision, mais j'avoue que je dors pas tellement pour l'instant, et en général elles arrivent quand je dors, et là je suis tellement chamboulée que... Merci beaucoup les amis, je me suis mute sur Discord pour pas embêter les joueurs. Merci. Je vous vois, je vous lis, même si je ne vous parle pas beaucoup. Rien. C'est super. Ah non, ça, merci de nous rejoindre. Madame Météo, moi. Oh, bien ce qui m'embête. Bon, la météo, on a les grenouilles. Ah ouais, on a les grenouilles. Je sais pas si elles vont accepter de monter à une échelle. Bon. Aujourd'hui sera un jour important. À notre premier contact avec... La guerre est certes un peu éloignée, mais avec notre ami du Seigneur Serre, si on y va ensemble. Va
ensemble. On n'avait pas dit que juste une personne devait aller là-bas et trouver ? Et le suivre et faire comme ils font d'habitude. Donner le butin et ensuite les points d'enfilature. Si on y va tous, on va se faire repérer. Ouais, là, d'ailleurs, on avait dit que ce serait moi. Yeah, c'est ce que j'ai souvenir. Hein. Ok, c'est que c'est ma mémoire qui me fait défaut. T'es un peu chamboulé, il faut croire. Pourtant, j'ai souvenir que c'est surtout Mademoiselle Tri qui pleurait face à Licorne. Hein. Ouais, ouais. À vrai dire, bah, vous avez un peu tous été touchés par cette découverte, que ce soit parce que ça vous touche directement dans vos convictions, dans vos croyances, et pour tout ce que vous voulez défendre, soit que, ben, si c'est pas ça, en tout cas, l'inquiétude de l'adversité à venir peut aussi vous avoir chamboulé quelque peu. Il n'est pas impossible que vous soyez tous un minimum perturbés par cette découverte. Et merci infiniment à Talsi, Tanuki, à Armoise et à tout le monde qui vient de nous rejoindre. C'est adorable. Et voilà, j'essaie de ne pas déranger. les joueurs. Ok, elle nous a fait un pouce, nous dire que c'était ok. Ah, j'ai pas vu. Tout à fait. Pour ne pas vous déranger, je me mute quand je parle à des gens parce que sinon ça vous perturbe complètement. J'étais perturbé parce que j'ai l'impression que tu nous parlais avant. Désolé. Bref, passons. Lever du camp à quelle heure ? Est-ce qu'on suit quand même Trig ou on la laisse partir comme ça ? Avec le risque que ça comporte. Vous essayez de me tuer. Et nous, on va pas continuer à griller les saucisses qu'on envoie Trig en mission. Malheureusement. Si on est trop visible, on va se faire repérer et ça fera capoter tout le plan. Yeah. Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être suivre d'un peu loin et avoir vu, grâce à je sais pas quel animal au-dessus de Mademoiselle Trig. Mais faut pas qu'on soit beaucoup trop près, je pense. Monsieur Karl, vous êtes quand même beaucoup plus doué dans ce genre de tactique militaire. C'est pas ce que vous pensez, vous ? Si on suit de suffisamment près pour être visible, ben on sera visible. C'est ce qui me semblait. On repose sur le fait que qu'on nous repère pas. Et pour pas qu'on nous repère, il faut pas qu'on y aille. Ce que vous savez, c'est que par contre, ce qui est bien avec Trig, c'est qu'elle est très petite. Et elle n'a pas forcément de spécialité en discrétion. Mais entre vous tous, il me semble ne pas me tromper, je pense que c'est une des meilleures. Et je crois que Pilipin n'était pas trop mauvais non plus. Mais en tout cas, elle est plus difficile à repérer qu'une personne de taille normale. Elle est de taille petite, en fait. Et du coup, bah, même en termes de règles, alors même si on n'est pas à cheval dessus, là, en l'occurrence, clairement, ça vous favorise, puisque vous savez que taille petite, ben, ça fait qu'elle est moins visible. Et finalement, elle a quand même un beau modificateur en discrétion. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et le chat aussi. Et son chat aussi, ouais. Après, je peux faire aussi serment d'anonymat, hein, s'il faut vraiment accompagner, mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Quoi, ça m'en donne pas. Je permets de remettre ça là pour expliquer. Hop. Ok, bah... Ah oui, c'est que vrai, Monsieur Karl, il peut pas lire. Eh bien, moi je peux le lire si vous voulez, mais en effet, Abraham, Vitressing, votre inquisiteur, vous parle d'un de ses sorts. Vous voyez qu'il est en train de baragouiner des phrases dans un langage que vous ne comprenez pas et ensuite il vous les traduit. Vous comprenez qu'il peut vous faire un serment vous empêchant, si vous êtes pris par l'ennemi, de révéler votre identité puisque simplement de manière magique, eh bien on évitera de la découvrir. Par contre, il faut que vous soyez déguisé, que vous portiez d'autres traits, que vous changiez votre apparence, que vous soyez capable, eh bien, de
de vraiment changer, de vous changer complètement. Son sort va en plus agir pour carrément changer votre voix et modifier subtilement ses intonations pour qu'on ne puisse pas vous reconnaître. Donc c'est quand même quelque chose d'assez utile que vous pourriez utiliser. Vous n'aviez par contre pas l'air de quelque chose de complètement différent de vous, ni de taille différente que vous. Voilà. Donc si je peux rajouter, je crois que c'est que sur moi que je peux faire ça. Et c'est que sur toi que tu peux faire ça. Je croyais que c'était pour ton groupe. Ah non, c'est personnel, portée personnelle. Mmh. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous voulez utiliser cette capacité spécifique? Et donc, ça veut dire qu'il accompagne Rétrig dans ce cas. Non, on va pas envoyer un mec qui supporte pas le mensonge avec quelqu'un qui doit mentir de A à Z si elle se fait pécho choper. C'est se tirer une balle dans le pied. Hein. Je pourrais juste dire qu'elle ment. Après, je pourrais pas dire que moi je mens. Hein. C'est parce que techniquement, je mens pas. Il y a moyen qu'il saigne du nez si vous interrogez un mec. On envoie Trig toute seule. Tu te sens d'attaque, Trig? On tient au plan. J'ai le chat. Ça va aller? T'as le chat, ouais. Écoute, Syrah vient vers toi. Sidra vient vers toi. T'entends des petits ronrons. Qui a l'air de te rassurer. Genre, t'inquiète pas. On va faire en sorte. Mais c'est vrai que pour tes petites épaules, c'est un petit peu impressionnant. T'as pas l'habitude, mais en même temps, c'est le moyen de briller. Je suis désolé d'en faire des caisses, mais ça me tracasse pour Trig. Bon, on va l'envoyer toute seule. Elle va se retrouver devant un camp. Ce camp-là, elle va juste nous dire oui, il est là. Et puis quoi? Je reviens. Ok, super. On a un emplacement sur une carte. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant où on n'a pas d'emplacement. Là, on n'a pas d'emplacement. Et je te rappelle que Trig a pris le camp de l'épine quasiment à elle toute seule quand on l'a envoyée dans une caisse. Dans une boule de foin. Enfin, dans une caisse. Ouais. Elle a mis le feu, elle a fait une diversion. Mais oui, t'as pas à t'en faire pour elle. Pour l'instant, on n'a pas l'emplacement de là où réside le Seigneur Serre. Et si sa mission réussit, on l'aura. C'est une grande avancée. Yeah. Ça mérite le risque. Je passe au Seigneur. Ok, moi je vous suis. Ok. En effet, vous dites que c'est risqué, mais une fois que votre super Trig vous aura trouvé la vraie localisation exacte du fort et pourra vous en faire une petite description, vous serez quand même vachement bien avancé pour le plan qui consistera à éventuellement le prendre. Donc, Avant que Trig parte, t'as quoi comme arme sur toi, Trig? T'as une petite dague. J'ai une arbalète. Okay. J'ai une dague. Okay. J'ai un chat. Okay. Qui a des griffes et des dents. Si je peux permettre à moi, je crois pas que le chat est vraiment dangereux quand même, mademoiselle Tri. Ah, c'est parce que tu l'as pas vu quand elle est vénère. Ah. Elle met des coups de patte comme ça. Merde, mais c'est peut-être aussi la différence de taille, je crois. Alors, on évite les coups de patte et si tu te fais repérer, tu te sauves. En parlant que tu te fasses prendre, donne-moi ta dague 2 secondes. Tiens. Hop. Et je la transforme en une petite. Un petit gourdin. Tu la transformes en petit gourdin, ok, d'accord. Genre que ça ressemble pas à une dague, quoi. Donc. C'est juste l'apparence, hein, Trig. Elle coupe toujours autant, te plante pas avec elle. Parlant de ça, c'est toujours toi qui as le gladius de bruyère, Trig. Oui, mais je sais pas si je dois le prendre avec moi, c'est un peu dangereux. Ouais, si je le prends avec moi et que je me fais attraper... Exactement, le prends pas. Je sais pas ce que c'est mieux de le laisser. Apparemment, ils étaient à sa recherche. On sait pas pourquoi exactement, mais il vaut pas qu'ils mettent la main dessus. Je vais le confier à Makad, c'est plus sûr. Très bien. Et... Ah, il n'y a plus qu'à.
C'est parti. Il s'appelle comment le gars avec qui je parle ? Sigid. 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 Ok. Y a quelqu'un qui a cuisiné Sigid et on est sûr que il est pas de mèche ça. J'avais posé question à lui. Hein, oui, hein, si... on l'a cuisiné la semaine dernière. Enfin, hier. Yeah. A priori, il était fidèle à... à Aps. Et il était le nouveau contact du camp de l'épine avec le Seigneur Serre. Donc... Exactement. Il remplace, en fait, le rôle qu'avait Cressel avant. Et vous avez, pour souvenir, rencontré un petit jeune qui doit avoir 18-20 ans, pas plus, qui était assez exalté et assez content qu'il ait pu récupérer ce rôle. Il ne vous a pas paru particulièrement menaçant, mais pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude, vous savez aussi que même s'il n'est pas particulièrement menaçant, il est jeune et fragile, peut-être un peu psychologiquement, comme tous les jeunes hommes et jeunes femmes qui rentrent comme ça dans des organisations. Peut-être qu'il ne sera pas très difficile à cuisiner, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir de mauvaises intentions ou d'être menaçant du tout. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous voulez dire un dernier mot à Trig ? Est-ce que quelqu'un a un dernier conseil pour elle ? Ou est-ce que je passe ? Il ne faut pas mentir, ma petite Trig, hein, c'est tout. Courage. Wow. Bon courage. On peut, hein ? Trig, il faut complètement mentir. Hein. C'est tout repose sur la... Je n'entends pas, je n'entends rien, je m'en vais. Sur la supercherie, hein. Si jamais ça se passe mal, envoie-nous Sidrak, okay. Qu'elle vienne nous prévenir. Donc ça, c'est le plan. Je pars avec lui. Quand on approche de l'endroit de rendez-vous, je me cache. Je suis les gens jusqu'à leur campement. Je me fais pas attraper. Je reviens, je vous dis où est le... Où est le campement ? Est-ce que tu as pu en apprendre ? Ok. Si tu croises Monsieur Hibou, Madame si Chouette... Je me fais attraper, Sidra... Griffe, elle part en courant, elle vient vous chercher. Voilà. C'est okay. Ça. Ça va. Bon, bah, ça va. Et tu ne parles à aucun animal que tu ne connais pas. Et t'es prudente. Ok. Yeah. Okay. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez un plan. Pour mon information, puisque nous allons quand même faire la scène de Trix qui va générer un peu d'attente pour les autres... Je vais d'abord vous demander si vous souhaitez faire quelque chose eh bien, pendant qu'elle ne sera pas là. Ce qui va vous permettre bah, du coup, de mettre à profit ce temps, même si vous ne jouez pas la scène avec elle. Du coup. Dans l'ordre, hein, du coup, est-ce que Maka, toi, tu veux faire quelque chose pendant l'absence de ta camarade ou est-ce que tu vas juste te reposer au camp ? Non, je vais me reposer. Okay. Je vais surveiller qu'il n'y ait pas de soucis d'esclandre entre les bandits et nos trois pitaxiens là. Mmh. Bon, vous voyez hein, que vos trois amis de Pitax sont un peu impatients. Voilà, ils sont surtout impatients de pouvoir repartir et se demandent un peu dans quoi ils se sont embarqués et quand ils pourront repartir. Mais pour l'instant, ils ne vous ont pas posé de problème plus que ça. Ok, super. Ben, de toute façon, si jamais certains d'entre vous avaient encore des blessures ou avaient encore besoin de repos, vous pouvez considérer évidemment que tout est réglé. Vous vous reposez depuis vraiment longtemps et ce sera le cas jusqu'à demain puisque Trig va partir toute seule. Évidemment, la seule personne qui a des blessures et qui a moins de PV, c'est moi. Non, mais tu peux le considérer que toi aussi, ils sont revenus puisque tu as quand même passé cool. Une semaine au camp à te reposer avec tes camarades. Vous êtes tous... frais, là, comme des gardons pour la suite. Est-ce que toi, Abraham, tu veux faire quelque chose avec tes camarades pendant que Trig sera absente ? Yeah, je vais prêcher la bonne parole. Ah. Tout le temps où on n'aura pas de nouvelles de Mademoiselle Trig, je vais prêcher la bonne parole avec nos nouveaux amis envers les bandits. Mm-hmm. Non, mais je vais faire en sorte que la vérité soit dans la bouche à tout le monde. D'accord, tu vas inculquer la vérité et comment dire la vérité et comment défendre la vérité, du coup. Yeah. D'accord, on va jouer une petite scène hein, à ce propos, si tu le permets, avant que Trig parte à l'aventure, parce que moi, je trouve ça intéressant. Donc, tu es au camp et
C'est le lendemain, hein, du coup, Trick vient de partir, je reviendrai vers elle dans un instant. Et bah, le camp est calme, vous avez autour de vous voilà, les bruits de la forêt. Et puis tu commences à aller voir chacun des habitants de ce camp. Et forcément, tu tombes sur des bandits. Des bandits qui étaient bandits avant d'être une halte et un camp pour les voyageurs de passage. À qui tu viens expliquer que, ben, en fait, dans la vie, ben, il faut pas mentir. Yeah, c'est mal. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est mal? C'est, par exemple... Si on, par exemple, on rencontre quelqu'un et on le trouve détestable. Ah, vous lui dites qu'il est détestable. D'accord. Mais mettons qu'il a l'air d'être riche et qu'il pourrait avoir... Vous lui dites qu'il est détestable quand même. Ah, mais... Je vois pas ce qui le fait qu'il ait argent et change. Mais du coup, la diplomatie, c'est un genre de mensonge. Comment ça, c'est genre mensonge? Si vous dites qu'il est détestable, il est détestable. Non, mais on le fait pas tous, ça, de dire des trucs qu'on pense pas vraiment pour obtenir des trucs dont on a besoin. Comment ça, vous êtes en train de dire que vous mentez souvent? Ah non, mais je vous pose une question. Par exemple, mettons, vous, monsieur Abraham, vous allez à la cour d'un souverain. Mettons, vous allez à la cour de... Noleski sur Tova, notre souverain à tous, là, du Brévois. C'est pas mon souverain, moi. Bon, bah, en tout cas, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, c'était le mien, mais je suis pas fort. Peut-être que ça a changé. Hein. Ah, c'est... Non, j'ai... Enfin, comment dire, c'est peut-être plus compliqué. C'est pas souverain réellement à vous, c'est nous qui gouvernons vous, là, actuellement. Ah oui, d'accord. Ah bah alors, donc, par exemple, si je vous trouvais détestable... Voilà. Ah, vous dites à moi que je suis détestable. Et ça, c'est mieux que de vous dire un mensonge. Aïe, 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 ça me mettra vachement moins en colère. D'accord, ah bah alors... Vous brûlerez peut-être pas tout de suite. Alors, ça tombe bien, parce que, voyez, mes camarades et moi, alors sans jusqu'à dire qu'on vous trouvait détestable, on trouve qu'on gagne quand même beaucoup moins d'argent depuis que vous avez fait votre petite manigance, quoi. Oui, mais il y a sécurité de l'emploi, maintenant. Ouais, bon alors sécurité, on est quand même dans un trou paumé au milieu de la forêt, à la merci de qui que ce soit qui pourrait découvrir ce qu'on fait et se faire attaquer du jour au lendemain par le Seigneur Serre et ses sbires, mais... Yeah. Mais... Est-ce que je vous ai cassé tous les doigts de la main? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que là-dessus, sur le cassage de doigts, vous êtes plutôt calme. Là où c'est vrai que les autres, ils étaient un peu plus énervés. Ah. Mais bon, alors, quand même, ça m'interloque. Vous allez à la cour d'un souverain important. Et vous avez besoin de lui demander de l'argent pour construire une cathédrale à la gloire de votre déesse... Érythrice. Ah voilà, Érythrice. Voilà. Et par exemple, eh ben, vous savez que vous n'arriverez pas à obtenir cet argent à moins de faire très plaisir à ce souverain et à lui dire toutes les plus belles choses à son propos, alors qu'en réalité, eh ben, vous le détestez. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez... Je vous dirais que c'est un gros malicieux, c'est tout. Oh là là, mais... C'est intéressant. Je dirais que si jamais il ne veut pas donner argent, on fera brûler lui, c'est tout. Hein. Ah, voilà, d'accord. Donc ça, je note. Donc la vérité, c'est bien, et si ça marche pas, la menace, c'est bien. Ah, ça dépend des cas. Disons que moi, j'ai le droit, pas vous. D'accord. Vous avez... Bon, c'est pas évident, hein. On sent qu'il y a du... Hein? Non, c'est très évident. Si vous pouvoir, vous pouvez. Si vous pas pouvoir, vous pouvez pas. C'est... Y a pas d'accord. Donc la vérité, voilà. Et si non, ça... Non, y a vérité et il y a comment vous dites les choses aussi. C'est différent. Ah, voilà. D'accord. Oui. Donc, et puis tout dépend si on a du pouvoir ou si on n'a pas du pouvoir. Ouais. Oui, c'est ça qui joue. Mais nous, on peut pas se rendre compte. Vous savez pourquoi on peut pas se rendre compte? Parce que bah, du pouvoir, on n'a jamais eu. Alors on sait pas comment ça fait, quoi. Bon, ah bah si, vous en avez quelque part, vous avez pouvoir sur votre vie. Par exemple, si vous étiez en train de me mentir là tout de suite, vous auriez pouvoir de vous tuer vous-même, parce que je vais vous tuer derrière. Et comme vous me mentez pas actuellement, vous avez pouvoir de vie. Regardez comment c'est powerful. D'accord. Ah, je vois que vous êtes un grand philosophe, Abraham. Waouh. Ça me... Bah nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, et du coup ça nous paraît vachement pointu, hein, tout ce que vous dites, hein. Hein? C'est vrai que c'est compliqué les premières fois, mais la vérité c'est tellement bien, vous verrez. Et ils se regardent tous genre, putain, la vérité ça a l'air un peu compliqué quand même. Hein. Alors, bah, du coup ça va t'amuser, mais tu verras que dans l'heure qui suit,
Il y a un peu des bagarres qui vont se déclencher à cause de toi. Ah. Puisque comme tu fais le tour du camp à dire à qui a envie, et même qui n'a pas envie d'ailleurs, que la vérité c'est très important. Surtout aux gens qui n'ont pas envie. Tu les forces un peu, tu les mets sur cette voie et tous, hein, vous allez voir que le camp il va un peu partir en cacahuète parce que tout le monde va se mettre à dire la vérité à tout bout de champ. Et du coup, vous allez entendre passer « Toi, de toute façon, ça fait des plombes que je peux pas blairer ta gueule. Et toi, tu ressembles à rien, t'es moche comme un pou. Et si j'avais le choix, putain, jamais j'aurais travaillé avec toi, t'es vraiment un blaireau. » Et puis vous allez voir que en fait, bah, y a pas mal de tensions qui commencent comme ça à un petit peu arriver partout. Et puis, y a un peu de trouble aussi, puisqu'il y en a qui disent « Ouais, puis de toute façon, Abs, il est complètement incohérent, incompétent, c'est moi qui aurais dû être chef au lieu de lui. » Et puis, tu vois qu'il y a... Les langues se délient suite à ton passage à l'intérieur du camp. On va quand même intervenir avant que ça tourne à l'émeute. C'est ça, du coup. Je rappelle que je fais partie de l'Inquisition de la Sédition et que tout ça, ça m'amuse beaucoup. Mais oui, exactement. Je m'en doute que ça te plaît beaucoup et tu as complètement un petit peu changé les lignes. Tu vois que Abs est pas à l'aise et qu'il y a pas mal de fois, il est obligé de calmer le jeu. Mais bon, ça finit par revenir au calme, surtout quand Makat vient montrer un peu ses muscles en mode « calmez-vous ». Mais tu te dis que t'as bien fait ton boulot encore. Et Carl Gustav, du coup j'en profite, quand tu vois un peu tout ça, est-ce que toi tu voudras faire quelque chose pendant l'absence de Trigg? Je vois que tu es revenu parmi nous un petit peu. Et tu vois que ton chef il a un petit peu semé la zizanie dans le camp. Ah oui, il a ses propres plans, ça me regarde pas ça. Mais avant que Trigg parte, je vais le voir, Abraham. Abraham, Yoka, vous enverriez pas un oiseau pour surveiller un peu tout ça? Ah, c'est ce que je voulais faire. Problème de moi actuellement, c'est que l'oiseau, je ne peux pas le conjurer très longtemps. Ça veut dire, je dirais, pas plus de 3 minutes, quelque chose comme ça. Pas beaucoup. Je vais voir Trigg. Trigg, oui. Avant que tu partes, prends quelque chose qui puisse distinguer facilement, comme des pièces de monnaie par exemple, des petites pièces de cuivre. Et sur la route, pendant que tu suis le cerf, tu laisses des pièces derrière toi pour que on puisse te retrouver au cas où tu te fais prendre et qu'on n'arrive pas à savoir où tu es retenu. Bah après pour le petit pousset en fait, c'est ça. Voilà. Et pas référence encore. Hein. Ok, d'accord. On peut faire ça avec... Ah ben des pièces de monnaie c'est embêtant parce que s'il y a n'importe qui passe par là et qui se dit « Oh trop bien des pièces de monnaie », tu vois il faudrait un truc... Vous pourriez que personne n'a envie de voler, genre des cailloux. Genre, vous pourriez utiliser les derniers boutons qui restent sur la veste d'Abraham. Voilà, pareil. Il m'en reste plus beaucoup, hein, quand même. J'en ai 4 ou 5 actuellement. Je sais pas si ça suffira. Hein. Les cailloux, c'est quand on les trouve un peu par terre, déjà. Ou on n'a pas une corde ou un morceau de... Une corde. Non, on avait ramassé soufre, hein, sinon. Vous pouvez faire des petits tas de soufre de temps en temps, hein. La corde, c'est pas mal. Hein. Coupe des petits bouts de corde. Je vois que vous n'aimez pas trop mon idée, monsieur Carter. Je sais pas, c'est peut-être trop repérable, le soufre. Coupe des petits bouts de corde, ouais, et mêlée à chaque kilomètre que tu fais, quoi, histoire qu'on puisse te retrouver sur le chemin. Tu pourrais même les entourer, tu sais, autour des troncs d'arbres ou des branches, faire des petits nœuds et puis s'y les mettre sur des pierres. Ça se tente, c'est pas une mauvaise idée.
Je crois que vous en aviez pas mal récupéré quand vous étiez justement en train de vider les affaires chez les mythes ou chez les kobolds. Je sais plus bien dans quelle grotte c'était, mais vous en aviez récupéré pas mal. Eh bien, écoutez, sur ce, dernier à peut-être vouloir faire quelque chose avant le départ, eh bien, c'est Philippin. Est-ce que Philippin, tu veux essayer de dire quelque chose à quelqu'un ou tu vas juste te reposer pendant l'absence de Trigg ou tu veux lui donner une dernière recommandation? Je l'ai déjà tout dit. Maintenant, je m'attellerai bien, suivant la durée que ça va prendre, son voyage, vu que je ne sais pas encore, à... Ça manque d'un endroit, une estrade ou un endroit où on pourrait faire des représentations dessus. Il y a un projet dans le Brévois. Eh bien, écoute, tu peux complètement prendre le temps de son voyage pour t'atteler à construire une estrade, d'autant qu'ici, voilà. Tu as de braves gaillards qui sont avec toi. Vous êtes assez nombreux, tu peux profiter des bras de tes camarades et des bras des gens du camp pour t'aider à construire quelque chose. C'est tout à fait envisageable que ce soit terminé en quelques jours et que tu puisses complètement arriver à tes fins. Exact. C'est le plan. Eh bien écoute, pas de souci. Tu peux considérer qu'au retour de Trigg, vous aurez une magnifique estrade qui pourra servir à la fois aux personnes qui veulent parler la voix de la vérité et de la sédition au peuple, et également à ceux qui veulent faire des représentations artistiques. Toi, Trigg... Exactement, et c'est ça. Et après, il faudra juste trouver des mécènes, et vous serez lancé. Et du coup, Trigg, eh bien, la pression est sur tes épaules, mais ça y est. Tes camarades t'ont tous dit un mot, t'ont tous fait leur dernière recommandation. Une journée se passe, l'estrade est en train d'être commencée à être construite, tout le monde est mis à contribution. Et le lendemain, très tôt, au matin, eh bien, il y a ton camarade Sigid qui vient te voir. Eh salut Trigg, salut. Salut. Bon bah ça y est, c'est le moment, hein. C'est le moment, bon, il faut y aller, hein. Oh punaise, ouais, je suis stressée, j'espère que... Oh punaise, ouais, j'ai l'impression, c'est la première fois qu'on va faire un truc comme ça. Hein. Ça va toi, t'es pas trop stressée? Calme-toi, si tu vas nous faire repérer, si tu deviens fou comme ça, tu vas croiser les autres seigneurs serfs et ses copains là, et puis ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi... Calme-toi. Ouais, t'as raison, c'est vrai, mais... Ouais, je vais me détendre. Il te reste pas un peu de radis lunaire là, vite fait? Si, mais j'ai pas confisqué ça encore moi. Si, mais en fait ça se partage pas les radis lunaires. Oh là, dis donc, vous êtes vache. Bon, ok, mais je me disais que pour mon stress ça pourrait m'aider, tu comprends? Sinon, attends, Abraham, yeah. On a un garçon un petit peu stressé ici, tu veux pas le... Ah, si, je veux bien, hein. Comment ça t'est stressé, l'ami? Ouais, bah... Vous savez, monsieur Abraham, moi, d'habitude, quand j'y vais, j'y vais, moi, j'ai la charrette, j'ai le butin, on laisse, on s'en va, puis... Vous savez, des fois, ils sont bizarres, ils posent des questions et tout, et... Bon, je suis toujours un peu stressée, mais là, là, c'est encore pire, là, il y a Madame Trigg qui va être cachée, quoi, c'est... C'est un grand plan, quoi. C'est waouh. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si elle est cachée, c'est que tu la vois pas, elle. Donc je vois pas pourquoi toi tu stresses à cause d'elle. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais... Toi, tu as juste amené Butin. Oui, t'as raison, ouais. C'est comme d'habitude, monsieur Abraham, ouais. Ok. Et elle est même pas là. Elle a pu voir rien. Il s'est rien passé. Et vous, vous avez pas des radis, monsieur Abraham? Non. Tout radis, j'ai confisqué. Y a plus radis. Ah, y a plus radis. Ah bon? Non, d'accord. C'est pas bon, ça, radis. C'est pas bon les radis? Ah, ça dépend. Ouais, ceux-là, ils sont pas mal, hein, mais ouais, bon, d'accord. Ouais, bon. Bon, bah, je vais dire au revoir et puis on y va. On prend la charrette. Je peux te servir demi de ça. Je vais sortir une petite bouteille qui, j'imagine, a un jus un peu verdâtre.
Donc pour en méta, c'est une bouteille de jus de mille pattes que j'ai toujours. Depuis... Ah, celle que t'as trouvée là chez les, chez les, chez les mythes, d'accord. C'est très. Il paraît que c'est très bon. Ah d'accord, bon bah. Ok ok, bah je vais. Il ouvre la bouteille pour sentir et il se ravise, il la rebouche, il fait bon, je vais peut-être attendre pour plus tard. Je comprends, donc je récupère dans ce cas. Pour être larrant. L'expédition se monte, vous prenez une charrette, il y a 6 guides, 2 bandits bien armés avec lui, des costauds du camp, et Trig. Et voici que vous voyez votre camarade sortir du camp, se diriger à l'extérieur du camp. Je leur fais un petit signe de la main comme ça, genre. Salut les amis, bye! Au revoir, petite Trig. Petit moment d'émotion pour toi, Trig. Tu pars à l'aventure, un peu toute seule, dans cette immensité naturelle, avec des camarades qui ne sont pas les camarades que tu connais de d'habitude. Derrière toi, la fumée du camp qui monte vers le ciel, qui finit de se dessiner sur l'horizon, et la nature, toujours cette nature autour de toi, mais que tu apprécies, que tu aimes, cette nature que tu connais, qui te fait plaisir, ce Brévois abandonné, ses ruines, ces grandes plaines, ces anciens villages, votre petite charrette sur les routes, et cette brume qui n'en finit pas. Ces nuages qui s'accrochent un peu à tous les arbres. Cette pluie légère qui vous mouille. Mais toi, tu es une enfant de la nature et tu n'es jamais vraiment dérangée par ces voyages. Tu as le pas léger et discret. On ne te repère pas facilement et Sidra trace pour toi un chemin relativement sécurisé. Alors que tous ses sens sont en alerte. Le trajet est assez long. Il te faudra du temps pour rejoindre l'endroit où vous devez vous rendre. Pour information, Trig, je vais te montrer sur la carte et je vais vous montrer à tous quel est le chemin que tu fais. Vous partez du K, le camp de l'épine. Votre camarade va faire un peu plus de 35 km pour se rendre jusqu'au sud, au croisement entre deux rivières, l'épine et la pie, aussi appelée la corneille. C'est à ce croisement que vous allez en fait avoir rendez-vous. Un endroit où, lorsque tu arrives, tu comprends assez vite, en fin de journée, hein, il faut une journée de marche rapide pour faire à peu près 35 km. Donc vous mettez clairement une journée, vous arrivez... vous partez très tôt le matin et vous arrivez un peu après midi. Puisqu'il vous faut plusieurs heures, mais vous êtes parti très tôt le matin et vous avez rendez-vous à midi. Autant pour moi. Et vous arrivez à un endroit très joli. Le gué de l'épine. Le gué de l'épine étant un endroit où ces deux rivières sont particulièrement basses. Et permettent de traverser très facilement pour aller dans les trois endroits très typiques de cette région. Sa partie sud, sa partie est et sa partie ouest. Et alors que vous arrivez aux confins de ces montagnes, que vous commencez à traverser et que l'heure du rendez-vous approche, tu es saisi lorsque tu vois une petite caravane de l'autre côté. Tu as évidemment la tension qui monte un peu, tu as le temps de te dissimuler depuis un moment, tu sais qu'il va être temps pour toi de quitter cette caravane si tu veux ne pas être vu car tu arrives très proche du lieu de rendez-vous. Il va donc falloir que tu te trouves un endroit où te cacher. Et avant de te présenter la caravane d'en face, je vais te demander de nous faire ton jet de discrétion. C'est parti. Je vais t'octroyer un bonus supplémentaire hein, que tu auras de ta taille petite. Ah bah écoute, c'est parfait. Tu as pas besoin. Un plus 2 et donc ça t'amène à 26. C'est toute petite. Exactement. Et tu es toute. Je suis cachée sous une feuille. Tu es cachée sous une feuille. Du coup, ça marche plutôt bien.
Tu vois que tu quittes ton camarade Sigid un peu stressé avant qu'il n'arrive au pied du guet. Et tu te trouves un promontoire rocheux légèrement en hauteur, derrière lequel, non content de pouvoir te dissimuler, tu peux également observer la scène avec beaucoup d'intérêt. Tu vois en face une caravane. Elle est composée de deux personnes particulièrement remarquables. Un homme, grand, filiforme, brun, les cheveux très longs, qui lui arrivent bien au-delà, ou bien au-delà du bas de ses épaules. Il est habillé de cuir noir et il est couvert de tatouages et de cicatrices étranges. Avec lui, deux bandits un peu plus ordinaires ont une chariote vide, certainement celle qui leur servira à récupérer leur butin. Avec lui se trouve un autre homme. Il te paraît étrangement altier, avec un port digne, des cheveux grisonnants, une barbe qui l'est tout autant. Il semble porter d'anciennes armoiries d'une famille, peut-être un petit peu importante. Une cicatrice caractéristique lui barre l'œil droit de haut en bas, mais il n'est pas aveugle de cet œil. Et enfin, une force de la nature, un homme gigantesque de 2 mètres, 2 mètres 10 peut-être, large comme un taureau, qui à cette distance ne te semble pas avoir de visage humain, mais à la place, un crâne de cerf blanchi, surmonté de 2 bois immenses. Ton camarade Sigid s'approche, un peu tremblotant, avec ses 2 autres amis, et vont, pour aller au rendez-vous, échanger le contenu de leur propre petite charrette pour le mettre dans la charrette vide d'en face. Ils ne sont pas très fiers. Et tu pourras entendre quelques échanges qui peut-être, je ne sais pas, t'inquiéteront un peu ou te glaceront le sang. En tout cas, la voix de l'autre côté qui se mettra à parler, celle de l'homme avec le masque, te semble venue d'un autre monde. Toi, décharge. Et tu entends comme des intonations non naturelles à l'intérieur de cette voix. Viens par ici. Et vous aussi. Tu vois que Sigid et ses 2 camarades s'avancent, comme ils le font chaque semaine. Chaque semaine, votre butin est plus petit que la semaine précédente et je n'ai toujours pas vu Crestel se remettre. Qu'est-il arrivé ces derniers temps? Quelles sont les nouvelles? Et comme j'ai envie de vous faire interagir avec le décor, je ne vais pas laisser répondre tout seul ce PNJ en l'interprétant. Et non. Je vais vous demander ce qu'il répond. Que dit ce PNJ? Qui veut l'interpréter parmi vous? Une bonne responsabilité. Je veux pas mentir. Hein. Moi, je passe, hein. Je suis pas en état. T'es pas en état, ouais, ouais. T'es trop fatigué. Ah, écoute. Ah, ouais. Je veux bien prendre la responsabilité. Ça va. Bien. Où est donc Crestel et que s'est-il passé cette dernière semaine? Crestel, elle a eu un problème à la jambe récemment. Elle a pas su se déplacer. Elle est tombée lors d'une construction d'un bastion qu'on faisait. S'est fait atrocement mal à la jambe. À mon avis, elle en a encore pour des semaines. Vous feriez peut-être bien de l'achever si elle vous ralentit.
Oh, ralentir, c'est un grand mot. C'est... Disons que, voilà, elle va se remettre. Vous... Je suis pas habilité à la... à faire ça, moi. Vraiment pas. Certes, tu vois qu'il ouvre un petit peu plus en avant ce qu'il y a dans votre charrette. Il fait signe au bandit complètement anonyme qui l'accompagne de la vider. Alors qu'il jette un regard interrogateur aux hommes un peu plus, qui ont l'air un peu plus importants, qui l'accompagnent, les deux autres. Et Siggy, de toi, t'es pas forcément rassuré. Mais comme tu es là et que tu es sur les lieux, tu vas pouvoir me faire un jet. Guide, mais évidemment c'est toi un pilipin qui va utiliser ton personnage pour le faire au travers de ces guides. Il m'intéresse de savoir tiens, si tu veux me faire un jet de diplomatie, il m'intéresse de savoir ce que tu vas voir de ces gens. Ces guides remarque une chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant et qu'il pourra certainement dire en revenant au camp avec Trigg. L'homme, qui a un port altier et qui a des armoiries sur son armure, a le regard dans le vague, ne semble pas du tout impliqué dans ce qui est en train de se passer, ne regarde absolument pas le chargement qu'il y a dans la charrette, et a l'air de regarder parfois cette créature à tête de cerf avec un regard mélangé de peur et de dédain. Et Siggy se dit, tiens, lui, il est bizarre. Mais c'est à peu près tout. Bon. Siggy. Oui. Tu diras à tes camarades que c'est la dernière fois que cette charrette est si peu remplie. Sinon, nous viendrons vous rendre une petite visite de courtoisie, amicale, avec certains camarades du fort. On fait ce qu'on peut, on a déjà... Dans toute la région, on est connu maintenant et reconnu, ça commence à se savoir. On fera le maximum, promis. Le maximum, ces guides, visiblement, n'est pas suffisant. Ne me faites pas me répéter. Le message est bien clair. Bien. Et si elle ne sert vraiment plus à rien, vous pouvez toujours me renvoyer Cressel. J'ai une petite idée quant à ce que je pourrais lui faire faire dans mon fort. Bien. Tu vois qu'il fait signe. Je vous renverrai Cressel si elle va mieux. Il fait signe aux deux mecs un peu plus importants que les deux bandits classiques, genre on y va. Et les deux bandits un peu plus no-name, tu vois, qui sont complètement traités comme des esclaves, on leur a pas adressé la parole, rien du tout. Ils sont assez maigres d'ailleurs, ils ont pas l'air de manger très à leur faim. Et ils finissent de charger et ils aident à pousser, à atteler les chevaux qui vont tirer la charrette maintenant qu'elle est remplie. Alors que lui et ses deux autres hommes s'en vont sur des chevaux impeccables, en pleine santé. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ont l'air de manger grassement. Tu vois qu'ils n'ont pas faim du tout. Et ils commencent à s'en aller. Et Siggy relâche la pression, quoi. Ici. Ok. Ok, c'est bon. Très bien. Bon. Et toi, Trigg, t'as vu tout ça de derrière ton caillou. Que fais-tu ? J'attends qu'ils s'éloignent un petit peu, et je commence à les suivre de la manière la plus discrète possible. Je recroise du coup dans l'autre sens mes camarades qui repartent. On se fait un signe de tête, mais juste pour dire qu'on a compris qu'on s'était vu et que je continue ma mission. Et eux, dans mon signe de tête, comprennent que quand ils reviennent au camp, ils leur expliquent que tout s'est bien passé pour moi et que je continue ma route. Ok. Ce sera fait, bien sûr, ils expliqueront à tes camarades, dès qu'ils arrivent, hop, que de toute façon, tout va bien pour toi. En tout cas, ils t'ont vu partir à la poursuite de celui que tu devais poursuivre.
Et c'est ce que tu fais. Te voici donc à quelques lieues en arrière à essayer de pister ce convoi. Et évidemment, plus tu es loin, plus tu es discrète, du coup, plus tu... Je viens de faire un blue screen of death. Ah merde. Plus je suis loin, plus je suis discrète, mais plus aussi j'ai du mal à les rattraper. Exactement. À voir où ils vont. C'est ça. Du coup, en fait, je vais te laisser le choix, sachant que plus tu es prêt, plus ton jet de discrétion sera soumis à un malus. Donc voilà. Mais plus tu es loin, moi je t'embête avec ça. Par contre, je vais te faire des tests de connaissances de nature et de survie dans ce cas-là, qui seront plutôt du pistage, parce que tu les laisses partir loin devant, mais tu les pistes. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est le mieux pour moi, c'est de laisser Sidra plus près et moi un peu plus loin. Et on se sépare. Elle continue un peu plus loin devant moi. Moi, je la vois, mais elle les suit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Toi, tu vois Sidra, mais c'est elle qui est vraiment le plus collée à eux, mais toi, t'es plus exact. Loin. Ouais. Comme ça, si jamais au pire, elle se fait remarquer, au pire, ils voient un chat. Et puis, moi, j'ai le temps de... Ok. De planquer. Parfait. Eh bien, écoute, du coup, il n'y a pas vraiment besoin de discrétion concernant Sidra, parce que si je me souviens bien, je vais aller vérifier, mais je crois qu'elle est méga boss de ça, il me semble. Évidemment. Tout à fait. Elle a... Ah oui, le niveau dessus, c'est l'invisibilité. Elle a plus 14 en discrétion. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc c'est assez très facile pour Sidra de suivre ce groupe sans se faire repérer et toi de la suivre, elle va quand même vérifier par acquis de conscience que tout se passe bien, que tout va pour le mieux, que tu n'as pas de mauvaises surprises et on va vérifier quand même que les auspices sont avec toi et tu vas quand même faire un jet de survie. Pour voir un peu si ce chemin se passe sans encombre, si tu le retrouves facilement. Voir si tu survis, non, c'est pas le même jet ça, mais voilà. Voir si dans la nature et sur ce chemin un petit peu complexe, tu trouves ton équilibre et tu arrives à t'en sortir bien. Je cherche la survie, mais je la trouve. Ah, elle est tout. Je crois qu'elle est tout en bas, ils doivent être plus ou moins par ordre alphabétique. Et donc ça fait 16, car tu as un bonus de classe. Eh bien, écoute, c'est relativement suffisant. C'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant. Et donc, tu finiras par voir se dessiner sur le lointain, sur l'horizon, la silhouette du fort du Seigneur Serre. Mais je vais revenir à toi dans un instant pour ne pas abandonner tes camarades trop longtemps, alors que quelque chose, évidemment, se passe de leur côté au camp de l'épine. Votre camarade est parti depuis très tôt ce matin. Il devait être 5h30, peut-être. Ils ont marché toute la journée. Du coup, vous espérez qu'elle a réussi à avoir son rendez-vous. Et c'est le soir que vous allez être rassuré, car vous allez voir ses camarades revenir sans elle. Sigid et les deux bandits qui l'accompagnaient. Les voilà de retour. Du coup, forcément, votre premier réflexe, d'aller vous enquérir de ce qui s'est passé. Et si tu veux bien, Philippin. Eh bien, puisque tu as interprété Sigid jusque-là, Sigid vient de revenir. Et il peut informer ses camarades de ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec ces étranges personnages. Ah, vous êtes rentré, monsieur Sigid. Oui, je suis rentré, oui. Et les amis du Seigneur Serre, là, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs si on commence pas à leur amener quelque chose d'un peu plus croustillant les prochaines fois. Ah, cette vampire, on va leur ramener nous-mêmes. Ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais la petite dame, là, elle est partie. C'est bon. Elle est... De particulier en plus. Rien de particulier. Je sais pas si je devrais vous le dire ou... Ah, c'est... Me mentir, c'est pas bien, sais. Ah, c'est pas... Vous mentir. Mais... Cacher des choses, c'est pareil. Ils parlé sur le fait qu'ils aimeraient bien revoir Cressel et peut-être que leur renvoyer Cressel à eux. J'ai raconté. J'ai un peu déguisé la vérité pour essayer que ça passe là, mais ils étaient encore étonnés de pas avoir Cressel et voilà. Je comprends.
De toute façon, il me semble qu'on retombera bientôt dessus, donc il n'y aura pas besoin de renvoyer quoi que ce soit. Mais j'ai jugé bon de ne pas parler de vous. Je pensais que... Bah, s'il ne vous a pas posé question si on était là, c'est pas mentir. Non, il m'a rien dit. Ils ont été assez insistants sur Cressel. Et il s'approche de ton oreille. Ils m'ont même proposé de la... De tuer elle. Oui. Ah, tu es Cressel? Non, on a dit qu'on gardait elle pour le moment. Vous avez bien réagi. Si vous avez dit que vous la tuerez pas, c'est bien. J'ai rien dit, j'ai dit que elle s'était fait mal et que j'étais pas habilité à faire ça. Mais c'est tout. Et pour le reste, moi j'y vais pas la prochaine fois si on n'a pas quelque chose plus important à leur donner. Je veux pas risquer ma peau pour cette histoire-là. C'est tout à fait compréhensible, monsieur Seguin. Ne vous inquiétez pas, il faut descendre dans vous-même. Puis tout se passera bien pour la prochaine fois. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, l'ami Macat derrière moi, je pense que tout se passera très bien. Même. Normalement, oui. J'espère pour vous, parce qu'ils ils ont l'air costauds. Je pense pas qu'ils font même carrure que monsieur Macat. Attendez le retour de éclaireuse. Nous allons attendre le retour à Mademoiselle Tri. Comme ça, nous aurons une position précise. Non, et nous pourrons mettre en place autre plan. Je vais un peu aller me remettre de mes émotions. J'en ai un peu gros sur la patate, comme on dit dans le Brévois. Expression bien connue du Brévois, en effet. Du coup, cette fois-ci, j'ai référence. Cette fois, tu as la référence, c'est vrai. Tout le monde va profiter du coup du retour de Sigid pour se poser. Alors que toi, de ton côté, le temps passe différemment. Trick, toi, tu es encore à midi. C'est encore midi pour toi, un peu plus. Hein, c'est le début d'après-midi. Et tu vois se dessiner pour la première fois dans le lointain, donc le fort du Seigneur Serre. Un peu comme si tu touchais au but. Ça y est, on voit enfin à quoi cette chose ressemble. Et tu vois enfin où cela se situe. Presque tu te demandais si t'allais réussir à le trouver. Et tu te sentais un peu inquiète de cette mission. Et finalement, le voici. Un petit fort qui ne paie pas de mine. Mais il est en haut d'une très haute colline, ce qui lui donne un avantage stratégique certain, car évidemment, la vue depuis les tours de garde qui le composent, eh bien, va très loin. Du coup, évidemment, tu te dis déjà, bon, il faut y faire attention. Aussi, tu es assez choqué, car tu vois que dans les collines aux alentours, et en particulier sur toutes celles qui l'abritent, il y a des âmes sans repos. Des morts vivants sont en train d'arpenter les collines. C'est assez étrange. Tu as l'impression que s'approcher du fort par la voie de la terre demande une certaine connaissance du chemin à faire. Tu as l'impression que les bandits ne peuvent pas marcher partout, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pour ne pas attiser la colère de ces morts-vivants. Et du coup, évidemment, je vais te demander de me faire un jet de... Eh bien, de perception pour voir si, à cette distance, tu arrives à comprendre ce qu'ils font exactement pour pouvoir se frayer un chemin alors que des morts gardent littéralement l'entrée du fort. Je t'en prie, n'hésite pas. Essaye. Eh bien, ma foi, c'est ce qui s'appelle une réussite extraordinaire. Et en plus, c'est vrai que tu es gnome, donc tu avais un bonus sur ce jet. C'est une réussite exceptionnelle. Hein. Tu fais quasiment un critique, et en plus, avec tes modificateurs, c'est très très bien. Et tu vois qu'en effet, tu pourras retenir par cœur une forme de petite danse
qu'ils font sur la colline pour arriver par la voie de la terre. Comme si, en fait, ils marchaient, à ce que tu comprends, sur des dalles qui doivent être légèrement enserrées sous la surface du chemin principal. Et à y regarder de plus près, peut-être même des runes de protection, qui, lorsqu'elles sont arpentées dans le bon ordre, eh bien, protègent de l'approche de ces créatures qui, au demeurant sinon, devraient probablement se ruer sur eux. Ils s'ouvrent donc la marche et arrivent jusqu'au fort, qu'évidemment pour l'instant tu ne vois que de l'extérieur. Je ne pourrais donc t'en dire que, eh bien, ce que tu en vois depuis l'extérieur. Laisse-moi t'en faire une description succincte et n'hésite pas à prendre des notes, car si tu veux répéter des choses à tes camarades, tu en auras peut-être besoin. Même pas prendre. J'ai pas de quoi noter. Bloc-notes sur ton ordinateur. C'est bon, j'ai un carnet. Parfait. Tu vois donc qu'autour de ce fort, il y a une palissade de pics, hein, assez haute. Elle fait facilement un bon 3 mètres de haut et demandera beaucoup d'efforts si on veut passer par-dessus sans se faire remarquer. D'autant que toute la colline grouille de morts-vivants. Ce que tu peux voir à ton niveau, c'est un certain nombre de tours de garde. Et que je ne me trompe pas, tu en vois au moins 4 qui font les 4 coins. Pour l'image que je t'ai montrée, tu peux considérer que là où il y a un petit drapeau rouge dans le vent, eh bien il y a des gardes qui montent la garde. Est-ce que tu as des questions que tu souhaiterais me poser concernant cet endroit, puisque tu es en train de l'observer ? Je vois le nombre de personnes qui sont autour ou au-dessus. C'est une très bonne question et je vais te dire combien tu peux en voir. Alors, hop. Et là, je demanderai aux personnes qui regardent éventuellement le stream de ne pas tricher, hein, car vous pouvez voir des choses dans mon écran. Non, mais tu es en pause, j'ai que le chat. C'est vrai ? Oui. Oh, bah comment ça se fait ? Parce que je peux mettre que le chat si j'en veux. Ah, je ne savais pas très bien. Alors, tu vois un minimum de 6 personnes à l'intérieur du garde qui sont en train de faire des rondes sur les remparts. Il y a des espèces de petits remparts en bois aux palissades. Mais tu sais qu'ajouté à ça, il y a ceux qui viennent de rentrer. Donc à savoir, eh bien, le seigneur Serre, ses deux acolytes un peu plus importants et deux autres bandits. Ce qui fait au minimum une dizaine de personnes, pour ceux que tu vois. Et ça, et ils sont rentrés par l'espèce de porte en bois que je vois sous l'image. Tout à fait, ils sont rentrés par la porte en bois. Qui s'est donc baissée et puis remontée, j'imagine, par un mécanisme. Elle s'est remontée quand ils ont dû passer et elle s'est rebaissée quand ils sont entrés par un mécanisme. Et quant au lac, puisque on t'avait dit que tout cela était près d'un lac, c'est en effet près d'un grand lac que tu vois à l'horizon, en contrebas de toutes ces collines, et c'est le lac des Chandelles. Eh bien, le fort n'y est pas collé, il n'est pas sur le lac ou sur un îlot. Il est à quelques centaines de mètres du lac qui est en contrebas, mais il n'est pas posé dessus, ce qui est un avantage stratégique pour vous. C'est toujours plus facile à prendre quand c'est pas posé sur de l'eau, hein. C'est pas idéal, tu vois que c'est bien gardé, mais c'est quand même plus facile. En tout cas, à cette distance, voilà ce que tu vois. Et je vais faire mon sort de repérage juste pour être sûr que je vois bien où je me trouve et pour être sûr que je donne une position précise à mes amis quand je reviens. Excellent. Ça, excellent. Et donc, en fait, tu fais vraiment une cartographie précise de l'endroit où se trouve le fort. Exact. Excellent. Donc tu fais appel à l'école de divination, un ensemble de verbes et de gestes, et d'un coup, tu sais immédiatement où est le nord et dans quel environnement tu te trouves, et là tu dis « Ok, je vois exactement où je me situe ». Tu prends très rapidement le petit carnet que tu as toujours dans ton sac, et tu réalises un croquis assez rapide, qui te permet de
pouvoir orienter tes camarades en cas de besoin sur l'endroit où se trouve le fort. Bien. Tu sais donc où il est, qu'il est gardé par une moyenne d'une dizaine de personnes, qu'il y a au moins 4 tours de garde et que des morts-vivants tournent sur les collines alentour. Est-ce que tu veux en savoir plus ? Veux-tu faire quelque chose de supplémentaire ? J'ose pas trop m'avancer parce que vu qu'il y a les morts-vivants autour et qu'on est au-dessus d'une colline et qu'il y a beaucoup de monde qui peut voir loin, je me dis que c'est plus sûr qu'on revienne à plusieurs et que déjà j'ai beaucoup d'informations et que je retourne dans l'autre sens pour être sûr de pas me faire attraper. Okay. Je fais un peu ma chochotte, j'avoue, mais je suis pas très à l'aise. Hein. Le mec il fait quand même 2m10, moi je fais 35 cm, donc voilà, c'est compliqué. Et oui, bien évidemment. Il y a en plus un certain nombre de choses que tu ignores encore, mais en tout cas, ce que vous vouliez savoir, c'est où c'était. Et on peut dire que cette mission-là, tu l'as réussie. Donc, tu vas rebrousser chemin vers tes camarades avec toute ta discrétion hein, qu'on te connaît et celle de Sidra, qui est également extrêmement distraite, sans du coup prendre le risque de t'avancer plus ou d'en savoir plus pour l'instant, mais en tout cas de pouvoir rapporter ces informations de base à tes collègues. Et tu vas faire demi-tour. Vous autres, les amis, vous attendrez donc très longtemps, puisque Trigor a mis toute la première demi-journée où elle est partie à se rendre sur place. Lors de la seconde moitié de la demi-journée, vous avez vu rentrer le soir, eh bien, six guides. Donc, il était déjà parti une journée complète. Et c'est dans le milieu de la nuit, carrément, que vous verrez Trig exténué, fatigué, crevé, de cette marche gigantesque et risquée, car elle était toute seule pour une bonne partie de retour, même si elle avait marqué sa marche avec des cordes et qu'elle vous avait laissé des indications. C'était quand même très courageux. Je pense que vous pouvez tous être très fiers de son courage. Et vous la verrez revenir dans la nuit, alors qu'elle est bien avancée. Il doit être pas loin de minuit, lorsque Sidra et Trig arrive à nouveau aux portes du camp de l'épine, fatigué, les pieds tout crottés, mais le visage visiblement satisfait. Peut-être que certains sont en train de dormir d'ailleurs parmi vous alors qu'elle arrive, je ne sais pas. Mais en tout cas, la voici de retour. Et Trig, tes camarades t'attendent, ils sont là, ils veulent tout savoir. Ah, mais il était en veille. Alors, demi-femme, ça a été ? Oh, parle-moi mieux, j'ai réussi ma mission, ok ? Alors, je vous explique. Yeah. Pour ceux qui veulent l'entendre. J'ai été jusque-là. Jusque-là où ? Jusque au lac des Chandelles, presque. Donc, en gros, on a été jusqu'au coin entre l'épine et la pie, qui s'appelle aussi la corneille, parce que vous savez bien que les rivières dans ce coin-là pas des noms définis. Donc on a été jusqu'au coin. Les autres zigotos là qui sont revenus se sont fait un peu engueuler par le seigneur Serre. D'ailleurs, je sais pas si vous vous racontez, mais ça se passait pas super bien. D'ailleurs, il a même proposé de tuer Cressel. Donc on était déjà sur, sur quelqu'un d'assez sympathique. Monsieur Secret, il a dit ça au seigneur. Il nous l'a dit. Ensuite, ils sont repartis dans l'autre sens. Et moi, je les ai suivis jusqu'à leur fort. Alors, le fort, il n'est pas forcément très grand. Il est sur une colline, il surplombe une colline. Par contre, ça a l'air assez compliqué d'accéder jusque-là parce que ça c'est gardé par une sorte de troupe de morts-vivants. Et il y a une petite danse que j'ai réussi à plus ou moins comprendre qu'il faut faire pour arriver jusque-là, marcher sur des dalles. Enfin, je ne sais pas très bien, mais bon. Vous dites qu'il y a une sorte de mécanisme pour... Il y a une sorte de mécanisme. Je pense qu'il y a des runes qu'il faut... sur lesquels il faut marcher ou pas marcher en fonction pour arriver jusque là. Mais je crois que si on arrive devant, tout devant, il est possible que je sache le repère, mais enfin voilà. Ça demande un peu de préparation à ce niveau-là. Il y a beaucoup morts-vivants ou pas? Oui, quand même. Genre, ça vous est les morts-vivants, c'est normal pour vous? Non, justement, c'est pas normal. C'est pour ça que je pose question. Je sais pas, moi je vous dis ce que j'ai vu, je me suis pas posé la question si c'était normal. Des morts vivants? Oui, des morts vivants. Donc ça commence intolérable. Exactement, c'est intolérable et je pense qu'en effet au moment en fait Trig vous disait, ça vous fait tilt
Parce que, ben, vous cherchez quand même quelque chose de nécromantique, vous avez compris que vous avez un souci. Et là, vous savez que le fort est gardé ben, par des morts vivants. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y en avait beaucoup ou pas. Parce que s'il y en avait eu que deux ou trois, ça aurait pu être autre chose. Mais s'il y en a beaucoup, en effet, ça peut être que... Genre des morts vivants, intrigue, style zombard. Oui, oui. J'ai toujours pas référence. Mais par contre, enfin, je pense qu'ils sont... Oui, si, je pense qu'ils sont morts, mais qu'ils sont vivants. Je pense pas qu'on peut les tuer comme ça. Donc ah, je pense que c'est mieux de faire la petite danse dont je parle pour arriver jusque là. Sinon on fout le feu partout. Hein. Ah je sais pas si ça brûle le mort. Et eux ils sont pas passés au milieu du champ. Oui. Mais il semblerait que si on marche sur les bons trucs, ça ne les met pas en colère. Alors, je j'imagine pense qu'il y a des gens ça. Qui surveillent quand même le champ. Bah, toujours est-il que des morts vivants c'est pas tolérable. Il faudrait brûler tout ça. Mais... Et genre les morts vivants ils étaient hostiles envers eux. Bah non, du coup ils étaient pas hostiles parce que eux, ils ont marché sur les bonnes dalles puisqu'ils connaissent le chemin. Part du principe que c'est les dalles qui les ont pas fait attaquer ou alors que peut-être que il y a quelqu'un qui les contrôle les morts vivants et qui les ils sont pas là par hasard, ils sont là pour défendre attaquer. Le bastion. Moi je pense qu'ils sont pas là par hasard et je vais même te dire un truc, le seigneur Serre là. Je comprends ce qu'il a dit l'autre en disant qu'il avait pas de visage. Genre, on dirait vraiment qu'il a pas de visage. Si ça se trouve, lui aussi, c'est un mort-vivant. Et en plus, il a une voix vraiment, vraiment bizarre. Ou alors, c'est lui, le monsieur nécromancien. Bref, donc il y a un fort au-dessus d'une colline. Yeah. Donc les gens qui sont en haut des tours, parce qu'il y a quand même 4 tours de garde, ils te voient arriver de loin. Donc on peut pas. Donc je sais pas si aller. Ouais. Aller par la terre, ça semble compliqué. Mais en même temps, c'est pas assez proche du lac que pour arriver en bateau non plus. Mm-hmm. Peut-être qu'il faut arriver par les airs. Peut-être qu'il faut voir avec quelqu'un pour nous prêter un... Est-ce qu'on pourrait pas... Aéronef. Un aéronef. Parce que aéronef, ça me paraît compliqué. On peut être vu aussi de très loin. Ou sous terre. Moi, je pense plutôt... Est-ce que c'était plus ou moins loin? Je ne rends pas compte. Je ne suis pas très bon en géométrie. Je me rends pas compte, est-ce que c'est près ou loin de nos amis kobolds? Parce que eux, peut-être, ils ont, ou mythes d'ailleurs, parce que peut-être qu'ils ont connaissance de certaines galeries. Alors, c'est une excellente question, je vais consulter ma carte. Bah ouais, tu vas consulter ta carte et tu vas même pouvoir, vu que c'est quand même un peu ton domaine, nous faire un G. Alors attends, hop, il faut que je pousse, j'ai plein de choses sur mon écran. Mais toi, tu connais quand même super bien... La géographie, ouais. Et t'as un truc spécial pour t'orienter. Donc, tu vas me faire un jet de connaissances en géographie. On va déjà faire ça. Et que c'est mieux que de la géométrie, mais Abraham, il ne connaît pas la différence. Et on ça va n'a regarder. Pas marché. Ça n'a pas marché. Mince. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. Je vais te formuler une réponse en fonction de ça. Il faut juste que je vérifie. Des choses. Donc le camp du Seigneur Serre, pour toi, c'est pas loin de là où il y a les mythes. Mais tu dirais comme ça, bah c'est pas si loin, mais c'est plus un sentiment que tu. En fait, je sais pas. Pour toi, t'as l'impression que tout est plus ou moins à côté. Hein. On prend le chemin, on prend un cheval, on prend une charrette, et c'est bon, on y est quoi. Oui, voilà, c'est pas loin. On marche comme ça, par là, et puis. Non, ça va. Ça va. Oui. Mais effectivement, le coup de creuser des galeries pour aller par le sous-sol, c'est peut-être une bonne idée. J'ai pas été vérifier s'il y avait des morts vivants dans le sol, hein, parce qu'on ne faut pas non plus. Pousser, je crois pas mais... que les morts vivants ils vont dans ça. On sait pas parce que jusque là on savait pas qu'il y avait des morts vivants dans le monde. Donc... Yeah, mais on commence à s'en douter avec tout ce qui nous arrive quand même. C'est vrai. En donc cas, mais du coup le fort. Donc si on passe par la terre, effectivement comme j'ai été là, il faut faire la petite danse, puis boum, il y a une porte, elle s'ouvre, elle se referme. Enfin c'est un système automatique avec des gens qui j'imagine tournent des moulinettes avec des. Avec des chaînes, mais comme on peut pas faire ça,
Ça ne sert à rien de le savoir. Non, c'est du intéressant coup, malgré tout. Il y a une palissade qui fait plus ou moins 3 mètres de haut. Et le seigneur serre, il fait plus ou moins 2 mètres 10 de haut. Donc lui, potentiellement, il peut l'enjamber. Donc s'il lève les bras, on voit où il est. C'est plutôt bonne indication. Et à ce que j'ai vu, il y avait 6 personnes qui gardaient le fort. Et puis il y en a 5 qui sont rentrées, qui sont les 5 qu'on a croisées, enfin que pour qui ils ont amené les affaires. Donc potentiellement, il y a 11 personnes dans le fort, mais il y a aussi peut-être des gens que j'ai pas vus. Ça permet de revenir sur ces morts vivants. Est-ce qu'il ressemblait de près ou de loin à la brume où il y avait un truc qui tournait autour de tes visions ou quoi ? Moi, j'ai jamais vu de mort vivant dans mes visions. Mais tu sais, la brume, elle nous a pas vraiment quitté de tout le voyage. Donc, je vais te dire. C'est ce que j'allais dire. T'aimerais bien, en fait, répondre à cette question, mais tu ne te l'es pas vraiment posée en arrivant là-bas. Et surtout, il y a eu de la brume pendant tout ton voyage. Depuis le moment où t'es parti jusqu'au moment où t'es arrivé, il y en avait plein. Donc c'est dur à dire est-ce qu'il y en avait plus là-bas ou pas. Après, je veux bien que tu me fasses un jet... en fait, un simple jet de sauvegarde d'intelligence, ça pourrait être pas mal. Et ben pour voir si justement ça fait tilt, si t'as repéré quelque chose de particulier. Alors, je sais pas si c'est une caractère pour toi qui est... Ouais, si... Ouais, tu peux essayer de faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Donc ça, c'est vraiment directement dans tes caractéristiques. Ouais, bon, c'est pas suffisant, là, pour le coup. Mais, du coup, t'as pas fait trop de rapprochements. Tu saurais pas dire. Hein. Mais en tout cas, la brume, tu sais pas dire, mais en tout cas, tu trouves que ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de coïncidences si tout ce que vous avez vu ces derniers temps, la licorne... Le temple de l'élan avec l'ours maudit, ce qu'on disait à propos de cette région, cette espèce de malédiction. Et puis là, d'un seul coup, là où il y a votre ennemi, bon, tu vois des morts vivants, tu dis quand même, potentiellement c'est lié. Je sais pas trop comment, mais ça vous paraît un peu à tous une évidence. Oui, c'est ce que je me disais. Exactement ce que je me disais. Les mecs, moi je suis crevé, j'ai à construire mon estrade, je vais aller me coucher, on parlera de ça demain. Eh bien, c'est ce que j'allais vous proposer. Vu l'état de... IRL, j'allais dire. IRL, vu l'état de notre équipe de ce soir, qui est extrêmement épuisée, je vous propose qu'on fasse une dernière petite ellipse, puisque vos personnages, ils arrivent aux alentours de minuit pour eux dans le temps du jeu. Donc vous allez pouvoir aller vous reposer, vous coucher. De son côté, Pilipin a fort travaillé toute la journée. Son estrade, il va la terminer avec les 2-3 gaillards ce soir qui vont aller se coucher ensuite. Et je vous ferai jouer la matinée du lendemain. Où vous pourrez, si vous voulez faire un discours politique, une poésie ou toute autre chose en profitant de cette estrade et une petite discussion entre vous. Et ensuite, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Car à mon avis, vous allez avoir besoin de votre stratège en chef pour établir aussi un petit peu le plan d'attaque du fort. Et notre stratège en chef est décédé. Il est mort. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Il a un peu de mot casque aujourd'hui. Donc du coup, on va le faire comme ça. Donc, toute cette fatigue de la journée est accumulée. Vous allez tous rejoindre... votre campement. Vous êtes bien installé maintenant depuis le temps que vous êtes ici. Un peu plus d'une semaine maintenant, vous entamez votre 6e jour sur place. Donc une semaine. Une semaine sur place, vous avez eu le temps de bien vous étaler, de vous faire un joli campement, de vous abriter sous des branchages, de vous faire des petites cabanes. Le feu vous permet de vous réchauffer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tous bien mangé. Et c'est dans un son très paisible de nuit noire que vous allez tous vous endormir. Évidemment, le sommeil est très réparateur. Cela vous fait du bien. Vous êtes dans un endroit où le repos est de bonne qualité. Autour de vous, les bandits du fort montent la garde, vous permettent de dormir sur vos deux oreilles, de ne pas avoir à le faire et de ne pas avoir à prendre des tours de garde, ce qui est un luxe que vous n'aviez pas connu depuis longtemps. Le petit matin ne tardera pas à se lever
à nouveau, alors que tout est terminé, que l'estrade de Pilipin est achevée, que vous allez peut-être avoir envie d'en profiter. Mais avant, il y a votre camarade Drisda, qui, tôt du matin, vient s'enquérir de vos nouvelles. Il se dirige plus principalement dans la direction d'Abraham et Pilipin, qu'il a identifié, même s'il ne sait pas s'il a vraiment raison, comme étant un peu les leaders du groupe. En tout cas, les diplomates qu'il constitue. Bien, camarades, bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. Oui, toujours trop court. Oui, excusez-moi de m'inquiéter, mais cela fait 6 jours que nous sommes ici et que nous avons croisé cette licorne. Et bien sûr, Yuva est très inquiète, elle souhaite continuer à investiguer. Et pour ma part, vous savez que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent à Restov et même plus au nord encore. Je voudrais savoir si nous allons prendre une décision incessamment sous peu. Ah, ça devrait pas trop tarder, monsieur Sida, ne vous inquiétez pas. Nous sommes justement en train. Nous allons justement en parler bientôt quand monsieur Karl sera levé. Mais nous avons 2-3 plans à préparer justement pour très bientôt. Je vois. Bien. Le projet que vous avez au nord, là, ce qu'on est en train de régler là actuellement, c'est très pour bien. Éviter. Tout le monde y sera gagnant. Vous le premier aussi. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Pilipin. Bien, bien, écoutez, je ferai encore preuve de patience, mais dans ce cas... Préparez-vous aussi, malgré tout. Peut-être que vous pourriez me mettre dans la confidence. Je pourrais vous aider dans votre entreprise, au lieu de rester les bras croisés et attendre ici et avoir l'impression de ne servir à pas grand-chose. Ça me paraît peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pilipin? Vous n'avez pas attendu notre avis pour partir vers le nord et pour aller négocier vers le nord de ce qui allait se passer au sud. Donc moi, je ne suis pas tenté de vous mettre dans la confidence actuellement. Bien, je comprends, mais dans ce cas, peut-être que nous pourrions reprendre la route et vous laisser vous débrouiller avec vos affaires du sud pendant que nous allons nous débrouiller avec nos affaires du nord. Au lieu d'attendre ici. Vous auriez menti sur le fait que vous cherchiez à nous aider ? Je ne mens jamais. C'est pourtant ce qui a l'air de se passer. Pas du tout. Je pense que c'est tout à fait à votre honneur et que cela vous aide si je poursuis ma mission diplomatique vers le nord. Je pourrais même vous obtenir un droit de passage plus long ou même... Et on se retrouve avec un problème parce que moi je vous dis que l'accord diplomatique, vous allez certainement passer au nord. Ce qu'on est en train de régler risque de malmener cet accord diplomatique. Donc soit vous nous amenez des garanties et vous nous aidez, ou vous pouvez continuer votre chemin. Eh bien, j'en discuterai avec mes sœurs, mais je pense que je vais être forcée de continuer mon chemin. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre vous, mais si je veux pouvoir aider les miens, et même vous, et même les gens qui sont ici... Il va vraiment falloir que je m'associe autour d'une table et que je discute avec les gens qui en sont responsables. Ça n'est pas en restant ici à manger des poissons grillés sur le feu que je vais faire progresser quoi que ce soit pour la diplomatie sur ces terres. Vous voyez, je ne suis pas très utile ici. En partant du principe que vos négociations vont bien se passer au nord. Oh, mais j'ai toute confiance en mon cousin. C'est un homme raisonnable. Que vous croyez-vous ? Jusqu'à présent, en tout cas, il a été raisonnable. Je ne pense pas qu'il était si raisonnable que ça avec vous. Mais je crois qu'il vous a beaucoup manipulé, surtout. Peut-être. Je m'en rendrai compte en allant y discuter. En tout cas, c'est le souverain sous lequel nous avons connu le moins de guerres en Brévois. Cela vaut ce que ça vaut, mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il est assez raisonnable et qu'on peut le raisonner. Je l'espère, en tout cas. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de vous demander l'autorisation. Je viens vous parler poliment de ce que je vais faire. C'est bien ce qui me semblait. Bien. Après,
Après, il faudra voir avec vos sœurs si elles d'accord. Oui, ça, cela se réglera en famille. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter la bonne journée. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? Et donc, Pilipin, il montre ton estrade, l'estrade que tu viens de construire. C'est une estrade, ça manquait d'un lieu, on va dire, pseudo-culturel ici, ou d'un promontoire pour pouvoir faire des annonces ou pour asseoir une parole. Hmm. Et j'ai appris que le comptoir de l'aigle n'en avait pas non plus. C'était un projet d'aller en mettre un peut-être un jour là-bas. Ah, ben je vous le souhaite. Si un jour vous cherchez des mécènes, je suis sûre que ils seront ravis de nous revoir dans d'autres conditions, cher Pilipin. Ce sera un grand plaisir. Ah, les gens du Pitax sont très friands d'art, de musique en particulier, et de poésie aussi. Oh, sans compter la peinture. Nous adorons la peinture. Vous verriez les clairs-obscurs, enfin, bref, pas entrer dans les détails, mais un jour, si vous avez l'occasion, il faudra que vous découvriez tout cela. Bien. Qu'est-ce que vous pensez du sport aussi? C'est un art, en soi. Oui, j'aime beaucoup. Je crois d'ailleurs savoir que Monsieur Macad, qui vous accompagne, est un grand sportif. Justement, j'allais vous en parler. Et d'ailleurs, le voilà, il va vous en parler lui-même. Hein. Mmh. Bonjour, messieurs. Bonsoir, Macad. Est-ce que vous avez des projets spécifiques pour le camp, Monsieur Macad? Je vois que votre camarade... Cette estrade a été mise là. Il serait bon peut-être d'organiser des grandes séances pour remettre un peu en forme les occupants du guet de l'épine. Certains se laissent aller, ça se voit. C'est vrai, vous avez... Le poisson grillé ici est délicieux, mais un peu gras, sans doute. Mais vous avez entièrement raison. D'ailleurs, je vous enverrai mes sœurs avec plaisir. Cela leur fera du bien de faire un peu d'activité. Elle s'empâte depuis ces 6 derniers jours. Ce sera avec plaisir. Et tu vois que bah forcément, tu t'en doutais un peu. Mais Yuva, en particulier, a l'air plutôt motivée à l'idée. Parfait. Se lève, elle fait un grand signe. Ouais, avec plaisir. Je lui réponds également à son signe. Bien, bien. Par contre, tu vois que les bandits, eux, sont moyen chauds. Ils sont genre en mode, eh non, on est bien là à manger notre poisson et à plus trop travailler comme avant. Là, vous êtes pas bien, je crois pas. Non, non, non. On verra demain matin à 5h qui peut être debout pour venir courir dans la forêt avec moi. Bon, bah, d'accord, chef. À courir dans la forêt. D'accord, d'accord. Et on fera ça tous les jours tant que je suis là, jusqu'à ce que chacun de vous soit capable à ma façon d'attraper un loup et de le porter au-dessus de sa tête. Tu vois qu'ils se regardent tous genre oh là là, on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé. Bon, ok, bah vous pourriez peut-être nous faire une démonstration, monsieur Macad, un genre de spectacle quoi, pour nous motiver. Vous avez l'air vachement costaud. Je me tourne vers Haps et je lui demande un peu de raconter la démonstration que j'avais fait à son collègue au comptoir d'Oleg quand je lui ai sauté de la palissade. Tu vois que tout le monde a le visage qui change de couleur, même lui aussi. Monsieur Macad, j'ai raconté cette histoire à tout le monde déjà. Ils le savent, hein, le coup de pied retourné dans les airs et enfoncer mon camarade dans le sol, ça a laissé des traces pour tout le monde. Dans le sol. Et dans le sol. Dans le sol également. Oui, oui. Mais tout ça, c'est quand vous étiez des bandits. Maintenant, tout va bien mieux, messieurs. Et d'un seul homme, tu sais, comme si d'un seul coup, la motivation, on les avait regagnés. T'entends des « Oh oui, 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 bien sûr, monsieur Macad. Absolument, monsieur Macad. Évidemment, monsieur Macad. On est tellement contents d'être avec vous, monsieur Macad. » Parfait, parfait. C'est bien, les gars. Continuez, continuez. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, bah, la matinée avance. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin, car nous sommes coupés d'un membre d'équipage. Est-ce que... compagnon. Et voilà, j'allais dire, Pilipin a sans doute quelque chose je à dire. Je monte sur mon estrade. Yes. Grandiose. Je vous ai écrit une
petites quelques lignes à l'hommage de Trig, donc. À l'hommage, c'est un grand mot. Mais... Par les déesses du Brévois, bravant le climat et l'effroi, c'est le retour de Trig, la demi-femme que les dieux bénissent. Usant d'une faculté à se faufiler sans faille, se cachant dans les fourrés ou dans la paille, elle cartographiera le Brévois d'une main de fée, prenant le thé avec les ours et les cervidés. Ne vous fiez pas à son air malicieux, derrière sa taille se cache la main des dieux. Nourrissez son fidèle compagnon de vos plus beaux poissons. Criez haut et fort son nom, Trig, à jamais nous te suivrons. Bravo! Quel mot de la fin! C'est un chien. Et c'est une et c'est une standing ovation. Donc tous les gens du camp du coup de l'épine se lèvent. Wouh, ouais, Seigneur Pilipin, bravo Seigneur Pilipin. C'est la première fois qu'on m'écrit un truc comme ça. Je suis toute émue. Et oui. Ma petite Trig, il faut pas. Et du coup, tu vois que presque les autres, ils sont jaloux et tout. Oh là là, elle a eu un poème, oh la chance, trop de chance, c'est pas juste et tout. Je sors un petit mouchoir et je le tends à vous. Vous aurez tout votre tour. Chacun sous le feu des lumières projecteurs. Papillon de lumière, bref. J'ai pas la ref. j'ai toujours pas référence non plus. Hein. Je ne comprends pas. Et Trig, du coup, Abraham, t'attends un petit mouchoir pour essuyer tes petites larmes de bonheur qui coulent au coin de tes yeux alors que tu es très ému de ce joli poème. Et sur ce, je vais me permettre de vous donner le mot de la fin, car ce soir, eh bien, ça aurait été court, mais des fois, ça fait du bien de pas jouer aussi pendant des heures, hein, ça repose. Donc, eh bien, on y va. Pour ce mot de la fin. La compagnie de la recherche de vérité a maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir mener à bien une attaque sur le fort du Seigneur Serre. Dans leurs atouts, des alliés, mais aussi des jokers, le Gladius de Bruyère, à quoi qu'ils servent. Après tout, on n'en sait rien, mais qui sait. Et puis, ces gens du Pitax, qui pourraient se révéler être des amis ou des diplomates utiles. La situation géographique du fort, sa composition, son nombre d'habitants et de gardes, et même les morts-vivants et les drôles de runes à activer qui se trouvent devant ces collines. La prochaine fois, je vous le dis, ce sera conseil de guerre, réunion au sommet, planification et stratégie. Peut-être qu'il est temps de commencer à envoyer des lettres, des courriers, demander de l'aide, constituer des troupes, envoyer des grenouilles, des espions. En tout cas, nos camarades, la prochaine fois, se retrouveront pour mener bataille contre le Seigneur Serre. Si les dieux sont avec eux, lui trancher la tête et la ramener à Yosef Selenius de Restov pour devenir les barons des terres volées. Je leur glisse à l'oreille pour terminer ce scénario que commencer à penser à un nom pour leur baronnie et leur capitale pourrait les motiver. Et sur ce, mes amis, en effet, la prochaine fois, ce sera baston. Et pour ce soir, le scénario va s'arrêter ici. La capitale, ce sera Véritas. Et de la bagarre. Exactement. Donc, on s'en va pour C'est les 3 M. La grosse bagarre. Exactement. C'est quoi les 3 M? C'est Mandal. Attends, c'est quoi? Meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire. Et voilà. Les 3 M. Et ben merci beaucoup, Cryo Magnus. Merci, le Corbeau Blanc. Merci, On of Web. Merci, McCracoon. Merci à tout le monde. Je vois qu'on était assez nombreux ce soir. On a eu plein de gens. Nomodo, Henri et Mordred, bien évidemment. Shirka aussi, qui est venu. Merci beaucoup d'être venu nous faire des coucous.
Armos qui est passé. Enfin, on a eu plein de copains, donc c'est super gentil. Merci à tous ceux qui font du bouche à oreille et qui permettent aussi ça, et qu'on ait des interactions dans le chat. Ça fait... En fait, ça fait plaisir. Voilà. Même si je ne vous parle pas verbalement, sachez que c'est super agréable. Crazy Ball TV qui est venu, merci encore une fois aussi. Mais c'est super agréable d'avoir des interactions avec le chat, même si je ne vous parle pas directement. Je vous disais, on avait quelqu'un qui était malade. Moi, j'étais très fatiguée, mais je n'étais pas la seule. On était tous très fatigués. Donc, on a fait un peu plus court et un peu moins intense que d'habitude. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Les joueurs, écoutez, la prochaine fois, vous savez, hein, ça y est, c'est Tipa, hein, j'ai envie de vous dire. La Kuhn Family, du coup, qui est venue nous voir. Hein. Yes. C'est cool. Alors, du coup, ça vous inspire quoi, ces bagarres? La confiance? Non. Non, on a pas mal d'alliés. Il y a moyen qu'on a mis les chances de notre côté. Oui, ouais. Mais tu dis ça, mais c'est pas toi qui as perdu la moitié de tes PV l'autre fois. C'est moi. Donc, ok. Oui, mais vous êtes pas morte, Mademoiselle Trigg. Oui, c'est vrai. Vous voyez le beau côté des choses. Et vous avez Gladius en plus. Mmh. Oui, mais on sait pas comment il fonctionne. T'as mis le choc. Allume l'affaire. Ouais, après, il y a du danger. C'est clair que, aujourd'hui, pour vous dire, j'ai un peu parlé de ce qu'on allait faire ce soir sur Twitter, et il y a un des messages où c'était quelqu'un qui disait « Ah, moi, dans ma campagne, mes PJ sont morts à ce moment-là. » Et j'étais genre « Oh, oh, oh non !» Donc, C'est parce qu'ils n'avaient pas tout le brevois avec eux, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas fait de la diplomatie à l'avance. Yeah. Nous, on va tellement de diplomatie, mais vous avez tellement d'alliés en fait. C'est ça qui va être très rigolo, je pense. Merci à toi, Onof. Ouais. Merci beaucoup, hein. C'est cool. Même le roi kobold monté sur un sanglier apprivoisé. Mais oui, il y aura tout ça. Je vais le faire monter sur un pseudo-dragon plutôt. Ça va être beaucoup plus rigolo. Ouais, mais du coup, Trigg va monter sur le sanglier. Ah, yeah. Ah. Il y a moyen. En fait, n'hésitez pas à réfléchir à tout ce que vous avez envie de faire un peu délirant avec vos alliés pour la prochaine fois. Ça peut être très rigolo. Je pense que quand on aura récupéré Carl Gustav, il va aussi pas mal se donner à cœur joie sur tout ça. Voir comme vous avez des alliés, je pense qu'il va vous proposer des placements, des stratégies, même des vagues. Vagues, les mythes, deuxième vague, les kobolds et tout. Ça va être du gros délire. Je pense qu'on va bien rigoler. Des kobolds, ils vont arriver par sous-terre. Ouais, sachant qu'ils ont, vous savez, les mythes, elles ont des araignées, elles peuvent monter sur leur dos, elles ont des mille pattes géants, enfin voilà, vous avez de quoi réfléchir. Carl Gustav 2022. Carl Gustav, t'as quand même écouté, même si c'était dur pour toi, du coup. Oui, mais j'ai pas fait le résumé cette fois-ci. Je m'en doute. C'est pas grave. Je vais aller m'occuper de Carl Gustav. Je vais lui faire un petit truc à boire, un petit chocolat chaud, un bisou, un grog, ouais. On est très fatigués, on a pas bien dormi ces derniers temps, et très peu surtout. Parce qu'on essaye d'avoir 25 vies en une, et en fait ça marche pas de ouf, ouais. Oh, voilà. Donc je crois qu'on a besoin de repos. Comment ça, pas de résumé, remboursé? Non, mais ça va. Si jamais, de toute façon, la vidéo, en fait, on l'a fait un peu aussi pour ça, parce que si jamais des joueurs ou moi, on a un trou, on peut toujours aller zioter sur YouTube la fin du dernier scénar. Ah oui, c'était ça, on a fait ça, et puis du coup, on a les nouvelles, on s'en souvient. Oui, un bon grog, exactement, Macracoon, ça fait du bien. Non, mais je pense que les migraines, c'est la fatigue surtout qui peut les provoquer. Eh bien, écoutez, le grog, c'est une thématique avec le JDR. Ah là, mais il est en feu, t'es en feu, toi. C'est parfait. Elle est parfaite, celle-là. Alors, parce que je ne l'ai pas redit à l'oral tout à l'heure, donc le blue screen of death que j'ai eu, c'est parce que... Donc, Psycho Saishan, que vous voyez dans le chat, qui est le joueur qui interprète Makkad, nous dit en textuel, en privé, hein, dans le chat de Roll20, que du coup, comme les bandits sont un peu traités comme des esclaves chez le Seigneur Serre, il nous écrit « Le Seigneur Serre a des serres ». Et voilà, et moi, j'étais plus là.
Je garde. T'es cassé. T'es cassé. Ah oui, voilà. J'essaie de garder mon sérieux et tout, mais c'est. c'est pas évident. Faut reconnaître que Carl Gustav nous a parlé de son regard de dédain. C'est ça. C'était très drôle. Oui. Également. C'était exceptionnel aussi. Et oui, de dédain. Parce qu'il a des bois, comme les dindes. C'est bien. On avait compris. N'expliquez pas les vannes. Réexplique la vanne, Lilou, j'ai pas compris. S'il te plaît. Mais moi, je me les explique dans ma tête quand vous les faites. Je vous ferai remarquer. Parce que sinon, je peux ne pas les comprendre. Ah, parce que après, moi, j'ai pas référence hein, non plus. Alors, ah, tu les as vraiment pas ? Attends, c'est juste ton personnage qui les a pas. Toi, tu les as, non ? Oui, oui, moi, je. Ah, oui, je me disais aussi. Je me disais aussi. Oui, parce que Papillon de Lumière, c'était bien Cindy Sanders. Hein, je pense que. Oui, il y a la Corée. Mais oui, j'avais la référence, mais Abraham n'a pas référence. Hein. Bah oui, non, Abraham, c'est. Bien sûr, il ne sait pas. Bah, en tout cas, les amis, on va arriver dans la bagarre, hein, la dernière ligne droite avant la diplo-diplo, qui ensuite, si la bagarre a marché et qu'ils ont survécu et qu'ils ne sont pas morts, prendra un tournant très très différent dans la campagne. Donc bah, souhaitons-leur que ça marche, souhaitons-leur que leur plan pour prendre ce fort et venir à bout de leur ennemi soit efficace. Mais je n'en doute pas, vous allez voir, ils sont tous très malins et très très bons. Merci encore à Pilipin et ses poésies. Je vais essayer de voir si quelqu'un veut faire un clip de cette poésie. Petit wink wink à vous, si quelqu'un veut faire un clip de la poésie. Henri Mordret, donc on compte sur vous. Ouais, ce serait cool, parce que encore une fois... Du beau jeu, comme on l'aime. Donc moi j'adore. Et sur ce, eh bien écoutez, je ne sais pas quand aura lieu la suite, puisqu'on sait que la semaine prochaine, c'est pas ça qui se passe, puisqu'on n'est pas tous dispo. Et ensuite, on arrive un peu dans la période des fêtes, donc on va voir quels sont les dispo. Donc on va voir. J'espère qu'on jouera quand même encore une fois en décembre cette grande attaque de fort. J'espère qu'on la fera en décembre, ce serait cool. Et ensuite on verra, je pense que selon les fêtes et le jour de l'an, peut-être que la suite de la campagne aura plutôt lieu en janvier, mais c'est pas sûr. En tout cas, on essaiera, si ce n'est pas la semaine prochaine, en tout cas celle d'après, de au moins faire cette grande attaque et voir où ça nous mène. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, je me suis régalée. Comme je disais souvent, ça a beau être la campagne qui est la moins en adéquation avec les goûts, genre horreur, horrifique, dark, sérieux qu'on fait d'habitude, elle est très fun. Donc, c'est bien d'avoir du fun aussi. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de suivre les actualités, les écritures de scénarios à quatre mains avec tous les gens que vous avez vus dans le chat, The Corbeau Blanc, que je vous invite à suivre. Henri, The Dwarf King, que vous pouvez suivre aussi, Tourte, dont je vous parlais tout à l'heure. Et on enregistre cette semaine un Cult Divinity Lost off-stream avec Linkus, qui vous sera diffusé plus tard en VOD sur le YouTube. Et donc voilà, restez au taquet, on se revoit. Bisous les grands gens et les petites gentes aussi. Bisous les joueurs, bisous les gens du chat. Et merci pour votre présence, vous avez été jusque 22, je crois, ce soir. Ce qui est très cool, c'est trop bien de parler avec vous, donc n'hésitez pas à venir nous faire des gros bisous. Et on vous en fait plein, et ciao, ciao, ciao. Ciao, à bientôt le chat. À bientôt le chat, bisous.